Toulouse fait partie des capitales du graffiti français. Reconnue par la scène underground internationale, depuis 25 ans, elle a vu des artistes sortir de l'ombre, tels que Tilt, Rezo, Miss Van, Moon et tant d'autres. Ils ont tous commencé à peindre leur nom sur les murs de la Ville Rose, avant de se montrer au grand public et exposer en galerie. La scène graffiti de la ville comporte aujourd'hui 400 graffeurs. Des débutants, des confirmés, des vandales, des décorateurs, des membres d'associations culturelles. Aujourd'hui, avec l'avènement du street art, ils n'ont plus à se cacher et peuvent exprimer leur art avec plus de liberté. Ce milieu encore méconnu nous ouvre ses portes. Sans toutefois tout nous dévoiler, ces artistes vont se livrer et nous faire partager leur passion ainsi que leur vision de ce monde. Moi je m'appelle Léo, mon blaze c'est Record. Je suis toulousain et je graffe depuis environ 8 ans maintenant. Donc moi je m'appelle Mika, j'ai 28 ans, je signe Écorce depuis 6 mois, 1 an je pense. Belenz, 34 ans et ça fait 13 ans que je fais du graffiti. Moi c'est Anthony Lasserre, alias Pozek, donc j'ai 22 ans et ça fait 7 ans que je fais du graffiti maintenant. Donc moi je m'appelle Jeff, mon pseudo dans le graffiti c'est Apache. Là je vais avoir 30 ans en février et voilà, déjà pour le principal. Alors, moi je m'appelle Rodolphe Morali, j'ai 33 ans, je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse et je suis encore à Toulouse. Je sais pas, la terre picturale, HSV. Qui je suis un graffeur sur tout le terrain. Voilà. Le principe c'est vraiment de peindre avec les copains et peindre pour se faire plaisir et pour lâcher la pression. Moi c'est Xerou, ça fait depuis 96-97 que j'ai commencé à taguer. Je viens de Lille, à côté de Lille en fait, et ça fait 7 ans que je suis à Toulouse. Et donc Trace. Moi, j'habite à Toulouse, je peins depuis maintenant 6-7 ans, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Qui je suis? Bah, Chériot, ça fait... j'ai commencé le graffiti vers 98 on va dire. Mon nom de graffeur c'est Rach, je signe Rach donc depuis à peu près 2004. Essentiellement, ben voilà, je suis de Toulouse, hein, donc voilà, j'ai peint d'abord ici avant de partir après un peu à l'aventure avec les copains. En dehors de la France, enfin partout quoi. Quand je peux, je graffe en fait. Voilà. Alors, mon nom d'artiste c'est Myth. J'évolue à Toulouse. Voilà, je fais partie d'un crew, ça s'appelle le NTC. Après, je participe à d'autres associations, à d'autres mouvements. Voilà, mais ma principale collaboration en fait c'est avec le NTC. Moi, mon Sébastien Paty, je suis originaire de la banlieue parisienne, de 77 Seine-et-Marne. Voilà, et donc j'ai transité par la Belgique aussi pendant 3 ans avant d'atterrir à Toulouse il y a maintenant 11 ans. Ouais, c'est ça. Donc je m'appelle Simon, je pose Théos depuis 9 ans maintenant. Oui, alors je m'appelle Tilt, toulousain, 39 ans. Ben moi c'est Stéphane ou Moon pour les intimes ou Big Daddy Moon. Alors je suis Rezo, artiste peintre. Graffeur, fiche du graffiti. Qu'est-ce qui m'a amené au graffiti en fait? Et ben, c'est ce que j'ai vu quoi, dans la rue déjà qui m'a beaucoup plu, en dehors du fait que moi je faisais un peu de dessin. Alors j'ai jamais été un gros dessinateur, j'aimais beaucoup la couleur, c'était surtout ça qui m'intéressait quand j'ai découvert vraiment le graffiti dans la rue. Comment j'en suis venu à graffer? Ben, tout simplement c'est mon frangin qui a graffé le premier, et c'est vrai qu'en le voyant faire, en voyant les fresques qu'il faisait avec ses copains, ça m'a donné envie une année et demie après de commencer aussi à faire ça, et depuis ben voilà quoi, je me suis penché encore plus dessus en découvrant après tout ce qui tournait autour du graffiti, parce que le graffiti c'est pas uniquement du dessin, c'est aussi voilà des gens qu'il y a derrière, hein, des esprits et aussi voilà des codes quoi qu'on peut trouver, c'est-à-dire qu'il y a du graffiti, il y a de la musique, il y a un tas de petits éléments qui globalement le graffiti. Ouais, c'est venu par le tag en fait. Moi j'ai connu ça sur Paris et j'ai vu des mecs taguer. Après je suis venu sur Toulouse, j'ai suivi un peu le truc, j'ai pas lâché.
J'ai rencontré des taggers à Toulouse et puis voilà, et j'ai découvert ça comme ça. Pour ma part, moi ça m'a suivi ça par contre depuis super longtemps, enfin que ce soit le dessin ou le graffiti. Le dessin depuis enfant et le graffiti c'est venu un peu plus tard, justement à l'adolescence, dès la fin du collège. Donc voilà, et je me suis vraiment mis à graffer à proprement parler avec des bombes et sur mur à partir de ma première année de lycée où j'ai rencontré un des seuls graffeurs qu'il y avait dans la région où j'étais à l'époque. Et voilà, enfin, le graffiti du coup m'a suivi moi, depuis vraiment enfin, voilà, le tout début de mon adolescence. Quoi. Moi ce qui m'a poussé au début, je pense que c'est l'envie de me démarquer un peu des autres, l'envie de faire quelque chose qui plaise aux autres aussi, et de me faire plaisir à moi aussi surtout. Voilà, ça a commencé un peu connement dans les murs du lycée, à faire des trucs très moches au début, et puis en pratiquant, ben, petit à petit on commence à avoir un style, puis deux, et puis trois, et puis voilà, hein, le but c'est de peindre, de se faire plaisir avant tout. Quoi. Je faisais pas de graph, moi j'étais beaucoup roller, je faisais beaucoup de sport de glisse, donc beaucoup dans la rue, et forcément on rencontrait les graffeurs, les machins, mais on était moins dans le délire quoi, au départ, et je sais pas, mais petit à petit, un soir ou deux, voilà, avec les collègues, on a fait bon, vas-y, tiens, on va aller avec vous, histoire de surveiller, voilà, on buvait un coup, tranquillou, le mec il tapait leur graph, et puis petit à petit, un jour, il y en a, vas-y, tiens, alors, après une bombe, on a commencé à taguer, et puis en fait, voilà, ça a continué. Quoi. Petit à petit, on faisait du roller, on s'est aperçu qu'avec le roller, on pouvait taguer. Voilà, et voilà, c'est parti comme ça, en fait. J'étais à la fac, j'avais 22 ans, et j'ai fait ça avec deux potes qui m'ont branché pour peindre. Du coup, je les ai suivis parce que moi, ça me plaisait, tu vois, je le regardais, mais j'avais un œil extérieur. Du coup, je les ai accompagnés, j'ai peint avec eux, et ensuite, après mon premier graph, j'ai bien accroché, et du coup, j'ai pas arrêté. Sinon, moi, pour la petite histoire, j'ai commencé très très tôt, j'avais 11 ans, puisqu'en fait, je passais tout mon temps libre chez mes cousins à Paris, qui habitaient dans le 19e, et donc un cousin à moi qui était dans le crew des NTM, en fait, des graffeurs, au tout début. Voilà, tous les vieux de la vieille de Paris, tout ça, donc c'est avec lui que j'ai commencé à aller graffer, peindre, voilà, j'ai trouvé mon style, puis après, moi, j'ai bougé à La Réunion. Donc c'est surtout là où j'ai commencé vraiment à poser sur mur beaucoup. Donc comme tout le monde, je me suis fait gauler, je me suis fait gauler là-bas. Ça m'a pas calmé, hein, donc j'ai continué. Puis là j'ai eu mes premiers plans en tant que minot. J'avais trouvé des plans, genre j'avais repeint un paraclub à Saint-Pierre contre un saut en parachute, ce genre de phase. Franchement après j'ai été comme tous les gamins quoi. Pendant ma jeunesse, je faisais des petits tags dans mon quartier, des trucs à la con, je sais pas, notamment, enfin, à l'époque de NTM, on en faisait tous, quoi, NTM avec la typo qu'ils avaient au marqueur ou des choses comme ça, des tags dans les toilettes ou quoi, au collège. Ça a commencé vraiment comme ça, quoi, on va dire. Après, j'ai commencé vers 17-18 ans à prendre des bombes de peinture, mais je connaissais pas, donc je prenais des bombes de bricolage. Ouais. Et en général, j'ai commencé par plus voilà, du vandal, quoi, et ça, enfin, un peu comme tout le monde, des trucs pas très beau quoi. En plus, moi j'étais tout seul quand j'ai commencé, j'avais personne autour de moi, je kiffais juste ce que je voyais quand je prenais le métro, des trucs comme ça. Après je suis parti vivre en Normandie, du coup là je connaissais vraiment personne. C'est là que j'ai poussé un peu plus le truc, on va dire, à vraiment sketcher, à remplir, colorier. Et au final, ouais, quand j'ai commencé sur un mur, j'ai vu grand direct, j'ai fait carrément un graph. Et le tag, ça n'a jamais été mon fort non plus. Ça a commencé quand j'étais en quatrième, non je dis une connerie, quand j'étais en sixième ou cinquième avec un pote au collège, on a pris des petits marqueurs noirs, j'ai commencé à taguer un peu partout et j'ai fait pareil dans les bus. Finalement on a grandi, arrivé en troisième, donc avec Fray, vu qu'on est très proches, on a commencé à dire bah vas-y, on va prendre des marqueurs, on a acheté nos Posca et bam, on défonce les bus, on défonce tout ce qui passe, comme des ados quoi. De là on a compris qu'un marqueur ça pouvait être encore plus violent. On a pris un petit pot de tube de colle à mettre de la néro dedans, du permanganate du potassium, du bleu de méthylène, à s'en foutre plein les mains, plein de sacs et à défoncer tout ce qui passait. À l'époque, vers 96, il y avait pas mal de. À la fin d'un magazine de skate qui s'appelait Trix, t'avais quelques pages de graffiti toujours. Et c'est à partir de ce magazine aussi que je commençais à connaître des lettres, différents styles, etc. Et moi, pour moi, ça a toujours été lié un peu avec le skateboard. C'était une pratique dans la rue, de la même manière que le skate. Un peu.
quand j'étais petit, genre vers 10 ans, j'avais commencé à avoir des graphes, notamment de Tilt et de réseau, tout ça. Et ça m'a donc, j'ai commencé à dessiner, j'aimais tout ce qui était Marvel, les personnages, tout ça, fantasy. Donc après, vers les 15-16 ans, j'ai commencé vraiment à dessiner des lettres, vraiment du graffiti pur et dur. Et à 16 ans, vraiment, je m'y suis mis, donc à commencer sur mur. Et là, depuis, ben, ça fait 7 ans où je fais perso, lettrage, décor, j'essaie de toucher à tout. J'étais incité par toujours un mec que j'ai connu dans la restauration, mon chef à l'époque, qui faisait du graffiti depuis pas mal d'années et qui voyait que je dessinais énormément et qui m'a dit ben, tu devrais t'exercer, c'est des feuilles géantes. C'est venu comme ça, par le tag, par certains magazines, un peu une espèce d'esprit de révolte d'ado. Et après, c'est vraiment, je crois, en 1999, où là, je dessinais, je peignais déjà, mais je n'avais pas vraiment pratiqué la bombe en tant que telle, comme un moyen d'expression un petit peu plus poussé, hein, que je me suis tourné vers des bouquins un peu plus spécialisés. Et je suis tombé sur un graffeur allemand qui s'appelait Satwan. Et qui lui avait une façon de faire des personnages très graphiques, donc rien à voir avec ce que j'aime et ce que je fais moi, mais ça m'a vraiment sidéré et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'aller m'acheter des bombes encore plus, en assez grande quantité pour pouvoir peindre, des rouleaux et de la peinture aussi, parce que j'avais pas forcément assez d'argent pour faire ça, ou je préférais mettre mon argent ailleurs. Et puis voilà, je me suis entraîné, je m'y suis pris à plusieurs reprises, à Montauban, sur des maisons abandonnées dans des forêts aussi, parce que j'aime bien vagabonder. Pendant plusieurs années, j'étais dans une école de beaux-arts, une école municipale de beaux-arts, et du coup, ça m'a pas mal ouvert sur les outils, tout ça. Et puis, en fait, le graffiti, c'est venu assez naturellement, en fait, je voyais des murs peints, tout ça, ça m'a commencé à m'attirer. J'avais envie de me rapprocher de ce milieu-là et voilà, au bout d'un moment, j'ai sauté le pas. J'ai commencé à taguer en 1988. À graffer, j'ai en 90, j'ai dû faire mon premier graphe. Mais voilà, comme à l'époque, il n'y avait pas trop de trucs, je faisais plus des tags, tu vois, dans les garages de ma cité, les caves, des trucs comme ça, des dessins et tout. C'était pas des graphes, c'était vraiment... Et comme je faisais encore beaucoup de skate, je taguais les rampes de skate, mes boards et tout ça, mais c'était pas vraiment roman graffiti. Alors tout d'abord, c'était d'en voir un peu partout, parce que je faisais du skate, j'ai fait du skate pendant une dizaine d'années, et du coup ça se pratiquait un peu dans les mêmes endroits. Et c'est aussi underground, c'était aussi underground à l'époque, quoi. Donc du coup, il y avait un petit lien entre les deux. Et ça, c'était la première rencontre avec le graffiti. Et la deuxième, c'était l'intrigue du qui a fait quoi et ce côté un peu. Ce côté on ne sait pas qui a fait quoi plutôt. Et ça, j'aimais bien. Ça, c'était ma première enquête, c'était d'arriver à définir qui était qui. Le tag, j'en ai fait en fait. J'en ai fait au début, ouais. J'en ai fait les deux premières années en fait. C'était plus pour faire un peu ce qui était déjà fait sur les murs, quoi. Du graffiti vandal, j'ai envie de dire, où tu sors la nuit avec les copains. Et à un moment donné, ça m'a plus convenu, quoi. Voilà. J'avais besoin de rechercher autre chose, pas que de la lettre. C'était après plus basé sur le personnage. Parce que pour moi, voilà, graffer dans la rue comme ça en vandal, ça a apporté essentiellement des problèmes. Et après, au niveau voilà, de ceux qui recherchent un peu de reconnaissance, c'est très éphémère, quoi. De toute façon, c'est le départ, c'est la base du graffiti, quoi. Même un gars qui fait des bons lettrages, mais c'est parce qu'il a des bons tags à la base, quoi. Ouais. C'est vraiment l'origine, c'est ça, quoi. J'ai très vite utilisé la bombe pour le tag, et c'était un outil indispensable. Et c'est vrai que tu vois la bombe c'est une technique qui est rapide, tu vois, tu t'exécutes très vite, voilà, tu fais tes remplissages au fat cap, même si tu prends un skinny, tu fais tes contours vite fait, c'est furtif, tu vois. Et pour refaire du vandal, c'est l'outil le plus pratique. Dès que tu commences à prendre le pinceau, tu vois, il faut que tu trempes ton pinceau, que tu tires ta peinture, t'en as pour 3 jours, tu vois. Donc voilà, moi je pense que c'est l'outil au niveau artistique qui me convenait le mieux sur le moment, quoi. Donc en fait du tag. À utiliser la bombe, j'ai voulu faire développer mes lettres. Mes lettres, je les ai embellies, je les ai mis dans des décors. Après les décors, tu travailles des persos, tu dis ouais, je verrais bien un petit personnage. Moi, étant fan de comics depuis gamin,
allez, on fait péter des X-Men sur les murs, tu vois. Marvel. Et puis voilà, le Marvel a suivi, toutes les séries, tous les persos, ça atterrit sur Spawn. Puis voilà, c'est d'un coup tu fais beaucoup de persos, tu mets en scène Télétrage, voilà, c'est beaucoup plus cool. Maintenant, j'avoue, les nouvelles générations, eux, vont directement à faire de l'illustration ou du lettrage, sans même passer par le tag. D'ailleurs, vu qu'on est là depuis un moment et on observe ça et on a commencé par le tag, on observe pas mal de gens qui ont un bon style graffiti et qui ont vraiment des tags ignobles parce qu'ils n'ont jamais tagué et ils n'ont pas commencé par ça. Quoi. C'est plus du tout la même démarche, quoi, je veux dire. Je pense qu'au début, j'ai pas du tout imité. Et là, tu t'aperçois que c'est une catastrophe. Et après, ouais, j'ai un peu regardé ce qui se faisait, soit ici, puisqu'à l'époque où moi je peignais, il n'y avait pas trop de magazines, il n'y avait presque rien, quoi. J'avais pas internet, ça paraît ouf, mais il n'y avait pas internet. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais prendre des photos dans les terrains vagues, sur les voies ferrées d'ici. Et il y avait quand même déjà quelques pionniers, tu vois, il y avait Toupon, il y avait Déclic, il y avait Fastoche, Rico, il y avait quelques gars, je sais pas, moins de 10 personnes. Donc je faisais les photos de tous leurs graphes. Et après, j'essayais de capter des vibes sur des lettrages, d'essayer de récupérer des trucs comme ça. C'est compliqué d'avoir un style et quand tu vois certains gars qui envoient du super lourd et que tu te dis putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé. Et puis en fait, il y en a, c'est vraiment très forts, vraiment artistes, et d'autres qui prennent le fil, on va dire, et qui essayent de faire un petit peu leur style, mais c'est compliqué. C'est compliqué surtout au tout début, quoi. Tu peux pas avoir un style au tout début, ça n'existe pas. J'ai fait des graphes tout pourris, vraiment pas beau. Couleur et chrome, parce qu'il n'y avait pas de style, tu sais. Enfin, comme les gars qui commencent. Enfin, maintenant, tu as plus de Mac pour pomper les styles, mais moi j'avais un style assez personnel. Après, je faisais des lettrages avec que des flèches. C'était assez particulier. Bah, déjà, là où, dans les études que je faisais, j'avais un cours qui s'appelait dessin de lettres, qui était très intéressant. Donc, j'apprenais à faire les lettres vraiment très simples. Et donc, il y a ça, plus. Mon coup de crayon, plus ce que je vois sur les autres murs, quoi. Quand je vois un truc qui me plaît, mine de rien, bah, je le regarde, ça rentre, et inconsciemment, ça ressort sur mes lettres, quoi. Forcément, on est inspiré, quoi. Quand on aime un style, on parle dedans, et on le travaille pour dépasser, pour se l'approprier aussi, peut-être. Mais forcément, on s'inspire, quoi. Je prenais les bases, les lettres et tout ça, après je refaisais à la maison. Bon, j'ai pas refait sur mur parce qu'il faut pas copier non plus, donc je m'en inspirais beaucoup. Par réseau, il y avait Spasm, Shadow, enfin il y en a beaucoup, des Américains aussi comme Totem. Ça c'était vraiment mes Other aussi, mes dieux quoi. C'est vraiment ce que j'adorais. Du coup je refaisais un peu ce qu'ils faisaient, je regardais les couleurs et tout. Et à force après ben, j'ai eu mon propre style et du coup maintenant ben, je regarde les autres mais je m'inspire plus vraiment. Quand je regarde un mur, j'aime bien m'attarder sur ces choses-là, ouais. Est-ce qu'il a fait ses contours avant ses remplissages? Est-ce que... Voilà, essayer de décortiquer un petit peu la technique. Chacun sa façon de procéder, mais c'est vrai qu'au niveau des mélanges des couleurs, au niveau de la procession, voilà, des traits, oui, c'est clair que c'est le genre de choses qu'on observe parce qu'on en apprend aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a des mecs qui vont, je sais pas, des Mati, par exemple, qui ont une vision complètement différente avec les effets de lumière, surtout sur des fonds noirs, enfin... On l'utilise un peu comme on veut, hein. C'est vrai, l'esprit clair-sombre, après quand on travaille dans la 3D, c'est des passages obligés et en même temps très différentes les unes des autres. Il y a des gens qui font des trucs, je comprends pas comment ils font. C'est les gens qui font de la 3D par exemple, c'est pas forcément le style que j'aime, mais quand c'est bien fait, je dois admettre que ça m'impressionne, je comprends pas comment ils font. Et c'est très propre et à mon avis très compliqué à faire. Et c'est pas du tout la même façon de travailler que la mienne. Ouais. Sur mur, c'est, en même temps, c'est relativement rapide de faire le tour, quoi. Enfin, voilà, il y a la bombe, il y a le capuchon, on en parlait, mais au final, c'est de la bombe fine, donc... C'est un embout, ni plus ni moins. Oui, non, mais je veux dire, voilà, enfin, après avoir cherché une petite demi-heure pour trouver comment on fait un trait fin, forcément, enfin, voilà, l'idée vient, il y a le rouleau, le pinceau, après, sorti ces techniques-là, le pochoir. Enfin voilà, il n'y a pas tellement plus de techniques sur mur, donc enfin voilà, c'est la façon forcément en regardant un mur, non, un perso ou un lettrage, je pense qu'on comprend. Et puis les gens qui font du perso sur Toulouse et qui ont vraiment leur style et dont je respecte le travail en tout cas, il y en a parce que tu les reconnais justement, et c'est ça à mon avis qui fait qu'ils ont gagné quelque part, c'est qu'on arrive à les reconnaître. Il n'y en a pas des tonnes, hein, à part d'en parler,
Il y a Gutter, il y a Jeb, il y avait Super Pomme mais qui est plus là. Il n'y en a pas des masses Perso, de gens qui font des persos ici, dans le sud, enfin sur Toulouse, qui sont vraiment reconnaissables. Il y avait Gorg, mais lui qui est reparti à La Réunion, qui est chic type. Et voilà. Après, t'en as d'autres dans d'autres villes, mais ici, c'est facile. Tu reconnais vite qui a fait quoi. J'aime bien étudier le travail des gars. Ça me... Par exemple, tu vois, d'étudier certains travaux là, dernièrement, ben, ça m'a permis de. Moi aussi, tu vois, dans ma manière de travailler, de prendre vachement plus de recul avec mon mur, par exemple, tu vois, quand je graffe. Parce qu'on me traitait un peu de psycho, tu vois, à un moment donné, quand je posais, tu vois, j'étais quasiment comme ça avec ma bombe, je dépassais jamais les 30 cm du mur. Ça m'a permis, si tu veux, maintenant de péter des pièces en 4-5 heures, je tombe un perso et c'est cool pour moi, tu vois. Oui, bon, après, nous, on arrive à décrypter un peu le sens de son travail. Mais c'est vrai que ce que je regarde en premier, c'est la technique, c'est voir si le gars. C'est peindre, déjà, on le voit de suite nous, dans sa qualité des traits, de construction. Et après, avec son style, on voit depuis combien de temps il peut peindre, sa manière de construire les lettres aussi. Je pense, comme tu vas avoir certaines personnes qui vont avoir des phases dans des lettres qui vont se reconnaître automatiquement. Certaines personnes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, mais dont on connaît le travail, il va y avoir certaines lettres, certaines phases qui vont revenir. On va dire, ah, putain, ça, je sais qui c'est. Rien qu'à la lettre, si tu veux. Même si tu vois juste un morceau du lettrage, tu vas le savoir. Tu en as d'autres, quand c'est du personnage, c'est à la forme de l'œil, c'est à la façon dont tu vas faire les dents, ça va être aux enjolivures qu'il va y avoir autour, aux couleurs que tu utilises, à la propreté. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui travaille de façon très sale. Et c'est ça que j'aime en fait. Je cherche pas à avoir un trait pur et net. Ce que je cherche, c'est que ça soit lâché, crade, que ça soit au rouleau avec de l'acrylique parce que c'est plus facile et c'est plus rapide de remplir une surface qu'avec des bombes. Après, faire des contours dégoûtants, ça me plaît, ça fait partie du jeu, quoi. Du jeu avec le mur. Mais ça, c'est des outils, c'est des effets, ça aussi, ça crée quelque part un style. Oui, pour avoir mon propre style, qu'on puisse dire, ben, sur une esquisse, tiens, ça c'est du moon, quoi, tu vois. C'est qu'on ne puisse pas dire que ce soit du dame ou du tilt ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste d'avoir un lettrage, un style propre à lui-même, quoi. Trouver son style, c'est très difficile, quoi. Ça prend plusieurs années. C'est vrai que tu testes beaucoup de choses. Moi, je refais jamais la même chose déjà. C'est une première approche que j'ai moi du graffiti traditionnel, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi ma recherche, elle est systématique, quoi. Donc c'est vrai que mon style, il est venu à force des années, en fait, quand mon trait s'est amélioré et que les choses maintenant deviennent plus instinctives, en fait. Donc c'est là que ton style, il apparaît. C'est vrai que ça a pris, comme je te dis, plusieurs années parce que j'ai essentiellement graffé tout seul, quoi. Mes premières années, j'ai préféré faire les choses pour moi. C'était pas pour, comme je te dis, la reconnaissance ou autre, quoi, ou le graffiti, un peu comme on dit fame, de vouloir graffer absolument avec des grosses pointures. C'était pas mon but du tout, quoi. Non, en fait, je pars d'une lettre, d'une base simple généralement, et c'est moi qui la complique, qui essaie de donner du mouvement. Généralement, enfin, je suis assez inspiré par la calligraphie, ce genre de choses, quoi. J'aime bien quand souvent faire des courbes ou. Des, enfin, ouais, je pense que ça vient de là, quoi. Bah moi, j'avoue, je fais que de la lettre, j'adore la lettre. Après, j'essaie de bosser pour qu'elle soit belle. Et un beau global et une belle lettre, même si on l'isole, qu'elle reste belle, quoi. Et que le global soit intéressant aussi, avec de bonnes dynamiques. Après, c'est pas forcément super évident, mais bon, je pense que maintenant, j'y arrive un peu mieux qu'à mes débuts. Alors, je travaille énormément les personnages depuis pas mal de temps, les ambiances de fond, tout ça. Parce que j'aime beaucoup la 3D en fait, l'ambiance de 3D, de profondeur, tout ça. Les lumières, j'aime beaucoup. Donc du coup, je me suis beaucoup exercé dans ça. J'ai pas fait beaucoup de lettrage. J'en ai fait un petit peu au départ parce que le graffiti, la base, on m'a montré ça. Donc je me suis lancé un petit peu dans ça, mais c'était plus pour apprendre en fait à travailler avec la bombe. Et puis petit à petit, voilà, je me suis lancé dans les fonds, dans les personnages. Je dirais pour se trouver son propre style, de toute façon, quoi qu'il en soit, enfin avec les persos, ça va forcément partir du dessin classique sur des feuilles à la base. Et je dirais que c'est en partie quand on décide, hein, dans le graffiti, mais de façon générale aussi, soit tu vas pas vouloir te trouver ton style vraiment, et tu vas reprendre du comics, tu vas reprendre du old school, du b-boy.
du Vaughan Bode dont je parlais, qui reste un grand classique des dessinateurs psychédéliques américains des années 70, qui a été repris par le graffiti à cette période-là, mais il y en a plein d'autres. Soit tu vas décider d'essayer de te trouver un style de dessin, et là forcément au début tu vas, je dirais simplement, copier ou t'inspirer de certaines personnes, mais dans la bande dessinée si tu veux, dans le dessin classique qui t'ont marqué, et puis après ça peut être des livres, des lectures, des choses, enfin chez Konus, ce qui fait qu'aussi on fonctionne bien ensemble, c'est parce qu'on a un peu les mêmes sources d'inspiration, c'est tout ce qui est l'iconographie, la religion, les animaux, la forêt, les malformations, les monstres, toutes ces choses-là, c'est à peu près ce genre d'univers qui nous plaît, tout ce qui est les crânes, l'univers de la pêche aussi, donc que ça soit sur des gros murs, bien sur des petits morceaux de feuilles, il me semble qu'on va toujours avoir envie de travailler dans cet esprit-là. Ouais. Après, ben, la vie qu'il a eue et la façon dont il s'est mis à travailler et moi la mienne font qu'on travaille de deux façons différentes. Mais si on bosse ensemble, si on aime faire des murs ensemble ou même des toiles parce que c'est plus petit, mais là où on se marre le plus c'est sur les murs, c'est parce que le thème nous unit, quoi. Comme quand t'as deux gars qui font des lettrages à côté. Les trois quarts du temps, s'ils n'ont pas, on va dire, le même style, ce qui va les unir, ça va être un choix de couleur. Ben nous, c'est plutôt un sujet, c'est tout. Et aussi, des fois, un choix de couleur. Oui. Mon style au départ, ben, quand j'ai vraiment commencé le graffiti, mes potes qui m'ont motivé, ils adoraient mes dessins. Donc au début, ben, pareil, je faisais sur leurs fresques des poissons, puis après un peu des dinosaures, des monstres, des chats, des trucs comme ça. Et j'ai voulu me mettre au lettrage assez vite. Et donc, ben, c'est très influencé des gens avec qui j'ai commencé à peindre, donc Herpès, Dissek, Baroque et tout ça. Mais du coup, je dirais qu'on est les, enfin voilà, pour citer des pionniers, peut-être les entre guillemets, les héritiers ou les descendants d'un nom du graffiti connu qui est numéro 6, qui a été vraiment un des premiers justement à sortir des sentiers battus, et à sortir des cases de comics, à vraiment voilà, inventer des persos qui lui étaient propres, qui aujourd'hui paraissent peut-être un peu old school, mais qui étaient quand même particulièrement maîtrisés, et le sont encore d'ailleurs, mais étaient surtout particulièrement maîtrisés pour l'époque, et étaient vraiment fantastiques, voilà, avaient vraiment un univers très très personnel. Enfin, je sais pas si on descend directement de lui, parce que pour ma part, ça n'a pas vraiment été une source d'inspiration, et il ne m'a jamais vraiment fasciné, mais je le considère vraiment comme une des pierres angulaires, en tout cas, du perso dans le graffiti, quoi. Puis il y a eu des groupes, surtout au début des années 2000, qui ont vraiment marqué le graffiti. Enfin, moi, je me souviens surtout de deux groupes, qui n'étaient pas forcément tous des graffeurs, d'ailleurs, mais tu avais deux collectifs. Il y avait un collectif qui était basé, je crois, du côté de Bagnolet, qui s'appelait le 109. Dedans il y avait Alex Swan et enfin, lui d'ailleurs que je respecte énormément, qui a un très bon travail de graph et de perso, et même de lettrage mais de perso. Et t'avais le collectif Mercurochrome qui était plutôt du nord de la France il me semble, aidé à comme Erroné, Omos qui eux aussi, et le NAD qui lui est à soir, qui eux aussi avaient une façon de faire des persos bien à eux à ce moment là. Donc ça m'a vraiment marqué, et sur Toulouse après il y avait bon, avant Dran même, mais moi ce qui m'a marqué c'était Miss Van à l'époque, parce que du coup elle faisait des persos au pinceau, personne ne l'emmerdait, mais je pense que c'était une fille, c'est dommage parce que du coup ça vire au sexisme, mais c'était vraiment chouette. Depuis quelques années je faisais surtout que des personnages, développer une galerie de personnages, ça m'intéressait beaucoup. Là en ce moment je reviens plutôt aux lettres et j'allais entre les deux. Et pour ce qui est de la lettre, ce qui m'intéresse surtout, c'est les lettrages classiques assez simples et la calligraphie, le tag. Moi j'aime bien le wild style, quoi, parce qu'on vient de faire, là c'est des pièces bien travaillées avec aussi un joli décor. J'aime bien quand la pièce elle est intégrée, qu'elle n'est pas juste posée sur un mur, voilà. Sur un fond. Ouais, voilà, sur un fond, une couleur, quoi. J'aime bien aussi quand elle vit, qu'elle bouge, on a l'impression qu'elle est dans un environnement un peu... J'aime bien ça, quoi. Après j'aime bien aussi faire des pièces rapides comme ça. Sinon j'aime bien faire un peu de fret, quoi, train marchandise, ça j'aime bien comme support, quoi. C'est cool, quoi. Puis bon, généralement ça reste pas mal. Ouais. Je fais pas de train voyageur par contre, parce que déjà je pense qu'on prend beaucoup de risques pour ça. Bon, en plus j'ai 30 ans, donc c'est un peu, voilà, quoi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes
Mais on prend beaucoup de risques et souvent juste pour avoir la photo, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Ça, moi j'aime bien voir ma pièce qui tourne pendant des années, quoi. Et avec le train marchandise, c'est cool parce que j'ai des amis qui le voient au nord de la France, ils voient mes pièces rouler, quoi. Et ça j'aime bien, quoi. Et puis en plus ça vieillit là, sur la ferraille, j'aime bien, ça leur donne un bel aspect, quoi. Mes styles préférés, j'adore la 3D, j'aime vraiment beaucoup la 3D. Je suis incapable de faire une vraie 3D malheureusement, mais moi il y a des mecs, quand j'étais petit, je voyais ils faisaient de la 3D de dingue, même là encore aujourd'hui, il y a des mecs comme Willow qui te font des 3D de fou, des décors de dingue, pareil comme les 3PP, comme ce que peuvent faire maintenant aussi les DMV, il y a vraiment des gros trucs assez dingues. Après moi c'est. Moi j'ai vraiment le côté 3D et puis j'ai vraiment surkiffé. Et tout un autre côté qui était bien wild, justement avec les personnes avec qui j'ai commencé le graffiti et qui m'ont pris un peu sous leur aile. C'est des mecs qui font énormément de wild, mais c'est des putains de mecs de wild. Donc j'ai eu ces deux influences qui a fait que, ouais, j'ai un style, je sais pas trop comment on pourrait le définir, c'est pas de la 3D, c'est pas du wild, c'est de la fausse 3D, c'est... Voilà, j'essaie d'avoir toujours un semblant de lettre qui soit bien présent, mais qu'elle soit déformée, j'essaie de jouer un petit peu sur les volumes, pas trop non plus, parce que je veux pas non plus faire de la grosse 3D bien blocose, parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, un mélange de ce que je peux voir aussi, quoi. J'ai pas de préférence, ce que j'aime c'est l'originalité, quoi. C'est qu'à un moment, quelqu'un me surprenne, et je me dise, merde, j'y avais pas pensé, merde, il fait super bien, c'est... Alors ça peut être même dans des chromes dans la rue, même dans des styles un peu comme on appelle New Grand Style, à ce moment, les styles naïfs, où on a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné. Mais en fait, c'est l'originalité. Et surtout, de toute façon, c'est l'originalité, quoi. La créativité, et que le gars, même dans son style, arrive à être au-dessus des autres, quoi. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Voilà. Donc au tout début du tag, vraiment, il fallait que je trouve ma signature. C'est vraiment pas évident à trouver. Après, ben, du flop. Ça va vite, on m'arrondit, et après j'ai commencé à faire du chrome, et après donc j'ai fait vraiment de la 2D, donc après j'ai commencé à faire des couleurs et tout. Après j'ai commencé aussi la 3D, ça m'intéressait, moi je voulais vraiment toucher à tous les styles, donc j'ai fait un peu de 3D pendant au moins 2 ans. Moi je suis pas non plus un maître encore de 3D, hein, mais ça viendra. Et donc après j'ai fait les persos, pendant un moment j'ai fait que des persos. Comme ça, après, ben, un jour je suis motivé pour faire une 3D, je fais une 3D, le lendemain je fais un perso. Donc, comme ça, j'alterne et je fais pas toujours la même chose. J'essaie de varier. Ben, avant, je faisais beaucoup de lettrages. Les gens, enfin, tu vois, ça dépend sur à qui on parle ici, mais genre, les gens, ils me connaissent presque que pour ça aujourd'hui. Mais j'ai passé plus de la moitié de mon temps à faire des lettrages wild style, hyper compliqués, prenant la tête, hyper New York, tu vois. Du vrai graffiti classique et traditionnel. Comme on voit dans la vidéo Trumac, si vous avez vu, ou des trucs comme ça. Non, c'est une vidéo où on part à New York peindre avec un peu les pionniers de là-bas, Coptou, Tekid, tous ces gars-là. Et même encore à cette époque-là, c'était les années 2000. J'avais pas, tu vois, j'avais un lettrage, enfin, je faisais du graffiti normal, comme tu verrais, voilà, aujourd'hui, comparé à, je sais pas, à Rezo, Kentou, à des gars qui font du graff très traditionnel. Moi, je faisais ça, quoi. Donc aujourd'hui, ouais, le flop et le bubble style, c'est devenu ce que je préfère, mais j'ai pas toujours fait que ça. Et... par contre, j'y arrive plus, les autres. Les traits droits, ça me déprime. Il faut que ce soit courbe maintenant, sinon ça me plaît pas. Ben, mon style de départ, c'était plus du flop. Et puis je pense qu'après, vu mon caractère, ça s'est orienté vers du wild style. Parce que ça traduit tout à fait ma personnalité, un peu complexe. Et du coup, moi, je me suis bien senti dans ce style-là, quoi. J'aime bien le style un peu agressif, où ça pique, il y a des choses qui se passent. Il y a une double lecture aussi à ce style, quoi. C'est qu'on peut, y deviner plein de formes différentes et pas forcément des lettres de suite, quoi. Sinon, une préparation que j'ai depuis le début de cette année, on va dire, tu vois, c'est que je fais plus de maquettes pour aller les poser quelque part, tu vois. C'est plus l'inverse, ça veut dire que je trouve un spot qui me paraît, tu vois, intéressant. Comme juste des vieilles ruines, des trucs, tu vois, un peu perdus ou je sais, machin. Et puis en fonction de ça, je vais poser une maquette. Avec le choix des couleurs pour qu'il soit bien, tu vois, si je veux le faire rentrer dans l'environnement ou refaire un trompe-l'œil avec un niveau d'une colline, tu vois. Voilà, je suis plus là-dedans, tu vois. C'est, là, c'était dernièrement, c'était le délire que j'avais avant de trouver mon spot.
où là bah, c'est vraiment plus du taf brut quoi, tu vois, tu arrives, tu fais un perso sur papier et puis tu vas le poser sur ton mur. Il y a des fois où ouais, je sketch quoi, donc j'arrive avec mon dessin. En général, c'est ma pièce en noir et blanc tout simplement, que j'ai fait. Je travaille souvent sur A3 parce que je mets beaucoup de détails. Et après, bah, je le prends en photo et puis je me l'imprime sur papier. Quoi. Mm-hmm. Ma base en noir et blanc, et après, bah, ce qui est remplissage et tout ça, je le fais sur le mur et ce qui est dans le fond, et je le rajoute après. Quoi. Parce que je peins tellement pas souvent que j'arrive même plus à avoir de liberté devant le mur sans esquisse. Ouais. Pour que ça me satisfasse, on va dire. Après, quand je peignais plus régulièrement, en général, j'allais direct sur le mur sans esquisse. Mais c'est vrai que c'est souvent plus abouti quand tu y vas avec une esquisse. Et là, au pire, tu débordes un peu de ce que tu avais fait à la base. Arrive avec une vraie base. Oh, moi ce que je fais c'est je prends un chariot et je prends plein de bombes dont j'aurais pas besoin parce que tout le temps quand on se retrouve dans le mur on s'aperçoit qu'il manque une couleur qui ferait ressortir le tout. Voilà, faut prévoir donc le fond au rouleau, donc ça veut dire les rouleaux, ouais faut prévoir un seau pour faire les mélanges, faut prévoir aussi des gants pour éviter trop de se salir, donc la tenue, le masque à gaz que j'oublie tout le temps. Il y a plein de choses, ouais, puis pique-nique aussi, hein. Souvent quand on arrive devant le mur, ben, on a faim directement. Alors, à un moment, je dessinais beaucoup et je préparais mes esquisses pour aller peindre. Et maintenant, je suis plus sur le côté du départ du graffiti, la spontanéité. L'impro. Et l'impro, parce que j'y ressens beaucoup plus de plaisir, même si des fois je suis déçu du résultat, mais ça fait partie du jeu, quoi. Et en plus, ça favorise l'évolution, je pense. Parce que du coup, bon, moi j'ai des techniques un peu particulières pour éviter de refaire 10 fois la même chose, même si ça se ressemble après mon style. Mais déjà, pas refaire 10 fois le même lettrage, c'est tout le temps commencer par un trait que j'aurais pas fait. Quoi. C'est se dire, d'habitude, je commence à droite, de haut, vers le bas, vers la droite, et là, je me force à aller à l'opposé. Ouais, c'est simple. Moi, il y a les capes, j'utilise Fat Cap pour les remplissages. J'utilise après chaque cap plus ou moins approprié à chaque bombe, c'est-à-dire le cap 9-4 sur une 9-4. Après, je mets des super skinny blancs anti-gris sur des Belton pour faire mes contours et puis voilà. Quoi. Ouais, ça se faisait pas avant, mais bon, avant, on fabriquait nos embouts, on les achetait pas et on les fabriquait. On a toujours bidouillé. J'étais en Chine, les gars, ils sont au début du graffiti chez nous. Bon, ça a dû évoluer très vite, hein, ça, il y a 4 ans. Mais eux, ils fabriquaient encore leurs embouts. J'avais l'impression de me revoir au tout début du graffiti où j'allais voler des embouts sur des fas de déo pour faire des embouts qui font des très fins, où je retaillais dessous au cutter pour que ça rentre sur toutes les bombes. Enfin, on l'a toujours fait, ça, quoi, voilà. C'est pas des nouveaux embouts, oui, c'est une technique. On a trouvé des astuces. Il y en aura toujours. Il y en a plein. Hein. D'autres, hein, pas que celle-là. Là, actuellement, c'est à la mode ce truc. Ouais. Donc tout le monde en parle. Ça existe déjà depuis très longtemps. C'est voilà. Après, justement, chacun son petit truc. Quoi. Moi, je faisais des capes aiguilles. Ça me faisait délirer pour faire des gotas. Et ouais, on passe à la pharmacie, on prenait des aiguilles de seringue, on chauffait l'aiguille, on mettait dans le cap. Ça faisait un cap aiguille, quoi, tu vois. Et bon, ça a été le délire. Mais après, non, nous à l'époque, c'était déjà, il fallait que nous qu'on se trouve ces capes, tu vois. Ouais. Parce qu'on n'avait pas de magasin qui te vendait des caps, des fat caps, tout ça. Donc en fait, t'allais dans le supermarché du coin, tu vois, et t'allais taper t'allais dans le rayon des caps four, t'ouvrais les capots, tu prenais les caps, tu vois, nanana, tu prenais tes fat caps, hop, t'allais au truc des parfums, tu prenais les L'Oréal, tac, 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 ça te faisait tes skinny. Et c'est comme ça qu'on faisait nos caps. Il n'y avait pas de bidouille, c'était bon, juste aller charbonner des caps pour que t'aies des bons caps. Non, mais par exemple, les biseaux, quoi, je sais pas, maintenant on fabrique. On va acheter des embouts biseautés pour faire de la calligraphie par exemple. Les embouts biseaux, avant on les fabriquait, on prenait un fat cap, on allait prendre sur un décafour, avec un cutter chaud, on coupait, on faisait un biseau sur l'embout, et à la fin on avait des biseaux de 20 cm. Bon, donc nous ça ne nous fait pas halluciner quoi, parce que tout ça, ça existait déjà, tout ça, on l'a fabriqué, on l'a créé parce que on s'interrogeait sur les techniques, on se disait mais comment ce gars-là il peut arriver à faire des tout petits traits comme les capes aiguilles par exemple. On allait dans les pharmacies, on allait acheter ou gratter des aiguilles parce qu'il fallait encore arriver à prouver qu'on n'était pas toxicomane. Mais on grattait des aiguilles et ensuite on les chauffait, on les plantait dans l'embout et on s'en servait de capes aiguilles pour faire des traits super fins. Donc tout ça on le connaît, on l'a pratiqué, on a essayé et puis en fait on se rend compte que
t'es là-dedans. Quoi. Si tu sais pas te servir de tes doigts, eh bien, t'as beau changer les embouts, ça marchera pas. Quoi. Non, je peins pas qu'un aérosol, je fais aussi des tableaux donc avec du pinceau, je travaille aussi au feutre, mais après je travaille aussi avec différents outils comme... Ça peut être avec de la terre aussi, hein. Ça peut être avec du marc de café, enfin j'utilise tout ce qui est possible hein, par projection, etc. J'essaie de, voilà, de vraiment découvrir au maximum voilà, tous ces mélanges, toutes ces couleurs qu'on peut avoir naturellement ou pas. Je dirais que mon outil préféré, ça restera de façon définitive sur mur, un bon rouleau, du moins trois tailles de rouleaux différentes, avec des bons gros pots d'acrylique parce que ça va me permettre de tracer les formes, de remplir très vite et d'aller vite de façon générale, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire des choses assez grosses, assez vite. Donc ça restera le rouleau avec le pot de peinture avant même la bombe. Je fais, tu vois, là j'ai des bombes, mais j'ai fait aussi des Posca. Après, moi, si je dois faire du pinceau, j'ai même de l'aquarelle là, qui traîne. Dans la bombe, bah, c'est la rapidité ouais. Hein, pour créer. En fait, c'est vrai que c'est très très rapide et les remplissages peuvent être très efficaces. Tu peux faire très grand rapidement, hein, du coup, c'est vrai que c'est différent. Hein, quand tu fais au pinceau, forcément, tu fais des pièces souvent plus petites, hein, ça va de soi. Et la bombe, oui, voilà, c'est aussi. Un autre aspect que le pinceau, voilà. C'est notre façon de procéder, quoi, et c'est ça que j'ai apprécié, surtout dans le graffiti. J'avoue être assez fan du rouleau, même si c'est pas une technique que je suis un champion, dans laquelle je suis un champion et que j'ai vraiment appréhendé. Et pareil, une technique qui existe depuis un petit moment déjà et que je trouve assez intéressante, mais que j'appréhende depuis peu, c'est le capuchon. Qui est donc une espèce de surcaps en fait qu'on met par-dessus, enfin devant le caps, qui fait obstruction, voilà, avec un petit trou qui permet de faire des traits particulièrement fins. J'ai vraiment pas une maîtrise absolue de cet outil-là, et je suis pas spécialement habitué parce que je le découvre. C'est un outil très pratique pour faire des traits très fins, et il y a quelques personnes sur Toulouse qui l'utilisent très bien et très finement pour faire du travail très léché, beaucoup de détails. Personnellement, je trouve que cet outil, il y a déjà beaucoup de monde qui ont réussi limite à mettre une signature sur cet outil de par la l'utilisation qu'ils en ont. Moi, je m'en sers, mais en fait, je déforme le trou qu'on est censé faire pour que ça fasse des crachotis ou des traits un petit peu plus crades. Mm-hmm. C'est ça qui m'intéresse dans cet outil dont il parle, qui est très intéressant. Mm-hmm. Personnellement, moi j'en ai pas fait le tour, mais c'est vrai qu'il est attirant en tout cas. C'est enfin, attirant, voilà. Et puis surtout, tu peux en faire ce que tu veux. Je suis un novice dans cet outil là, et du coup. C'est censé être fait pour faire du propre à la base. Mais ça fait très bien du sale aussi. C'est bien. Je suis super bien vite du sale. À un moment, j'ai rencontré plein d'artistes différents, pas du tout issus du graffiti. Et du coup, ça ouvre des perspectives. Et on s'est dit pourquoi pas essayer autre chose quoi. Parce que c'est vrai que nous on a une vision. Le mur, donc on est passé à la toile, et pourquoi pas autre chose, pourquoi pas du volume comme il y a derrière, par exemple, et se dire, allez, on le fait évoluer, quoi. Ça peut pas rester au mur, quoi. Ça peut pas être figé qu'au mur. J'aimerais taper un graphe, tu veux, avec 5 arbres, tu vois, et graver, en fait, tu vois, sculpter l'arbre, en fait, sans le démonter, parce que bon, j'aime la nature. Des fois, ça arrive de peindre avec des gens qui savent pas trop peindre, et dans ce cas-là, il faut se mettre en tête que voilà, c'est pas fait méchamment, et du coup, tu t'adaptes, hein, soit tu les aides, soit tu essaies de. Ouais, tu les aides, soit tu repasses un truc, une saloperie qu'ils ont fait, mais discrètement, pas pour. Enfin, il faut quand même laisser leur graphe. Ouais, le mieux c'est de. Soit, on fait son graphe, si c'est un truc pas prise de tête, tu t'acharnes sur ton graphe, et si c'est une fresque en général, après, tu décores autour, hein, et tu laisses son graphe, c'est pas grave si. Un graphe moins bien fait que les autres, hein. De toute façon il y en aura toujours. Hein. Le truc que j'ai surtout le plus rencontré, c'est des phases où on te demande de venir participer à des fresques ou tu vois, des trucs collectifs, et au final tu t'aperçois que y a des gars qui viennent, ils posent leurs pièces et ils se cassent. Quoi. Mmh. Et en partant ils disent « ouais, si tu peux me faire des immeubles derrière hein, qui passent entre les lettrages, j'y vais quoi. » C'est plutôt ce genre de... Tu vois, d'un moment donné, les confrontations de manière de penser ou de voir les choses, quoi. Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, de faire un mur tout pourri. on a continué, moi j'ai quitté un peu
le mur en cours et j'ai fait des flops à côté. Et parce que je savais que le résultat allait être pourri, parce que déjà à l'avance on l'avait mal préparé, il n'y avait pas de maquette. Là j'ai un gros mur à moi tout seul, donc je suis assez content parce que ça faisait un moment que je voulais un gros mur comme ça. Et c'est vrai que les fresques à plusieurs, c'est quand même des bons moments souvent. Donc, puis maintenant, enfin, quand les personnes elles peignent depuis un certain moment, on commence à bien s'accorder, il n'y a plus trop de trucs de défaut, quoi. Ça va assez bien maintenant. Après, pareil, s'il y a des potes qui galèrent à faire un truc, tu t'entraides, tu vas aider l'autre à faire sa pièce, l'autre après il t'aide à faire un truc. Justement, je favoriserai plus les différences dans un collectif. Et c'est ce qui fait la force, je pense, du collectif, c'est qu'on soit vraiment différents. Et à un moment, si on arrive à réunir nos différences, on va faire quelque chose de super original et super sympa. Le plus plaisant, en fait, c'est de faire ce qu'on a envie, quand on a envie. Parce qu'à un moment donné, la question elle s'est posée, j'étais travailleur indépendant en décoration et faire en fait des décos pour des gens qui veulent certaines choses, donc des obligations, des cahiers, des charges et tout. C'est, y a un moment donné, ben, je me suis pas retrouvé, j'ai pas eu envie de faire ce que les gens ils voulaient que je fasse. En fait, j'ai choisi le graffiti entre autres, mais le côté artistique pour m'exprimer, pour faire ce que j'ai envie, de la façon dont j'ai envie. Ben, pour moi, c'est une passion, un hobby. Moi, ce que j'aime, c'est faire une belle fresque avec mes potes, avec un peu à bouffer, tout ça, de la musique, entre copains, on peint tous, on rigole. Et puis si on peut enchaîner une soirée entre potes le soir, c'est parfait. Toujours quand j'explique qu'est-ce que c'est le graphe à des gens, des personnes âgées ou autres, je leur dis c'est comme quand eux ils vont faire une partie de pétanque, qui s'appelle, ils se disent le dimanche on se rejoint là, on joue au boule, et ben nous c'est pareil, sauf qu'on va faire un barbecue et voilà. C'est aussi convivial. Aujourd'hui le graffiti c'est un loisir. C'est un loisir qui prend un petit peu de temps. Et c'est avant tout un loisir. C'est un moyen de me détendre. Donc souvent le week-end, plutôt que de rien faire ou de jouer à la console, bon des fois j'y joue, mais souvent c'est ouais, un petit week-end avec les potes, au barbecue quand il fait beau, peinture. Donc c'est vraiment un moment de détente. Et puis pour montrer aux gens qu'il n'y a pas que des tags et du vandal quoi, dans le graffiti, parce que la plupart des gens ils voient que ça, donc là au moins ils voient des couleurs, des belles choses. Ça change un peu. Laisser des traces de son chemin à soi, quoi, parce qu'on est dans une société où on n'est pas grand-chose et à un moment on a tous envie de paraître, ne serait-ce que par de la compétition, du sport. Et le graffiti c'est un peu ça, quoi. C'est un moment à mettre partout et que les gens nous reconnaissent. Quoi. Moi, j'ai commencé vers 96-97 à faire du graff, puis j'ai arrêté vers les années 2000 parce que je faisais beaucoup de skateboard. Je faisais que du skateboard entre 2000 et 2005. Puis j'ai repris le graphe il y a 7 ans de manière vraiment cette fois-ci continue quoi, sans rien lâcher depuis 2005. Voilà. J'ai crayonné pendant super longtemps pour me dire quand j'arrive devant un mur je serais pas trop pourri quoi. Mais en fait ça s'est pas passé comme ça, j'étais quand même pourri sur un mur. Et puis ça a mis du temps à avancer, à évoluer, maintenant ça va un petit peu mieux on va dire, mais il y a des années qui sont passées quoi, quand même, j'ai l'air de rien pouvoir évoluer. Au début quand j'ai commencé le vandal, j'aimais bien le fait de voir mon nom quand je me baladais, écrit par-ci, par-là. Et j'aimais bien les petites montées d'adrénaline et tout ça. Au début j'aimais bien sortir tout seul pour aller faire un petit truc, même j'en avais besoin le soir, il fallait que je sorte, que je fasse un petit truc. Et puis petit à petit, je me suis mis à. Vu que j'aime bien le dessin, je faisais des fresques et tout ça. Et puis, bon, puis à un moment donné, ouais, ça prend du temps, hein, tu prends des risques et tout ça. Bon, je me suis fait arrêter une ou deux fois. Et il y a un moment donné où tu te dis que tu es obligé d'arrêter parce que bah, moi, je voulais pas avoir de casier judiciaire. Je me suis fait arrêter. J'ai failli en avoir un. J'ai payé des pots de vin. Du coup, je m'en suis bien sorti, mais heureusement, parce que moi, pour mon travail que j'avais à l'époque, il fallait pas de casier judiciaire, vu que je travaillais dans l'animation, avec les enfants et tout ça. Et donc, ouais, il y a un moment donné où je me suis dit, stop, c'est fini. On va dire que bah, j'ai déjà parlé de ça. Ça a commencé vers l'âge de 13-14 ans, avec des périodes plus ou moins actives. Je pense que, comme tout le monde, voilà, on a des obligations, et donc, à certains moments, on peut, et d'autres, on peut un peu moins.
Pendant 4-5 ans, il n'y a pas eu de problème, quoi. Après, je me suis fait gauler, il y a beaucoup de trucs qui me sont tombés sur la gueule. Bon, ça a fini par une amende et des tiges qui a permis de déboucher sur d'autres projets graffiti. Donc au final, c'était un mal pour un bien, on va dire. Donc au départ, ben, j'ai commencé par que du vandal, que des tags, que des trains pendant 2 ans. Donc c'était vraiment intense, c'était tous les week-ends, j'étais à fond. Puis après, j'ai eu 2-3 petites histoires avec la police, donc avec des amendes, des tiges, tout ça. Donc je me suis calmé et je me suis reconcentré sur la fresque et le graffiti. Graffiti illégal entre guillemets, et voilà, ça fait maintenant 9 ans. Au début, ouais, mais quand j'étais mineur, je faisais que ça pratiquement tous les week-ends, donc je sortais avec un pote en boîte en ville, donc les petites pockets, les petites bombes dans les poches, et sur le trajet on les vidait, quoi. Forcément, on est tous passés par là dans le graffiti, et vers les 16-17, je crois, je me suis fait serrer, donc. Et donc ça le fait pas trop. J'ai vu que j'ai pas mal de potes qui ont pris des grosses amendes, du style ça va de 1000 euros à 6000 euros. Donc ça calme. Donc c'est pour ça que là, si je peux faire un petit truc de droite à gauche, souvent les voies ferrées c'est tranquille. Mais maintenant du légal c'est le top. Au moins je suis pas embêté. Les gendarmes ils viennent, j'ai pas besoin de partir. Il y a ce côté global pour moi que j'ai jamais dissocié, même si aujourd'hui j'ai un atelier, je fais des murs, je fais des toiles et tout ça. Un de mes grands kiffs, c'est le week-end ou même en semaine d'aller taper des flops à l'arrache. Si je suis à l'étranger et que c'est faisable de faire des trains, même si je ne suis plus comme avant à fond sur la chasse au TER et au corail. Mais j'ai eu la chance quand même de me faire serrer que quelques fois, et souvent pour du tag en ville. Là, ça allait plus ou moins, tu vois, parce que c'est toujours difficile pour les condés, en tout cas à l'époque, de dire ok, t'as fait ça et ça et ça. Mais je me suis serré une fois sur des trains. Et j'ai eu la chance, c'était un train allemand qui était en gare française. Du coup, la procédure était trop compliquée. J'ai eu à l'époque 1000 francs d'amende, donc 150 euros. Et j'ai eu un truc sur mon casier judiciaire qui s'appelle une remise à part. C'est un truc que si jamais tu fais pas de conneries pendant tant de temps, ça saute. Donc pour moi, sur 20 ans, je me dis, j'avais rien eu, quoi. Le discours est partagé, quoi. Nous, depuis 10 ans, on a bien évolué, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis passé de graffeur vandale, on va dire, hein, entre parenthèses, parce que c'était pas mon occupation principale, quoi. C'était pas mon sport favori, quoi. Je suis quand même beaucoup plus fait de murs et de persos et tout ça que de vandalisme. Mais donc, on m'a accusé de vandale, et pendant 10 ans, j'ai bien évolué, quoi. Déjà, ne serait-ce que familialement parlant, j'ai un enfant, donc une éducation à donner, et puis j'ai eu le temps de réfléchir sur ce que j'ai réellement envie dans ma vie, quoi. Au début, on est un peu fou, on court partout et on essaye, on fait des expériences, puis après, ça stabilise. Donc là, maintenant, au bout de 10 ans, je me dis il faudrait modifier un peu l'appellation vandale, parce que on était une cinquantaine, et on est tous passés du côté artistique, on travaille, on fait du social, autour du graffiti bien sûr, et du coup ça sert d'exemple, on sert d'exemple un petit peu pour ces jeunes, en leur disant voilà, attention, voilà, attention. Mais c'est certain que ça donne envie de leur dire, non mais attendez, on arrête cette histoire de procès, c'était une blague, vous m'auriez jugé là, il y a 10 ans, je veux bien, mais 10 ans après, je ne peux pas subir la même sanction, étant donné que je n'ai jamais eu de problème depuis 10 ans, je n'ai eu aucun, j'ai jamais récidivé, c'est un peu compliqué, quoi. Dans le graffiti, bon, je pense que c'est un petit peu comme dans tous les milieux, par exemple, dans le foot, tu es supporter d'une équipe, ben voilà, il y aura tout le temps les supporters de l'autre équipe qui vont te faire chier, dans le graffiti c'est pareil, je pense dans tous les milieux, tu rencontres ce genre de problème, quoi. Des crews aussi, que je n'aimerais pas, qui arrivent en ambiance, on vient pour dépouiller tout le monde. Donc ça va, comme on dit, je touche du bois, je suis passé relativement à côté de tout ça. Être présent aussi lors d'embrouilles, parce que tu fais des connexions, et certains mecs ont des problèmes avec d'autres crews. Donc toi, tu te retrouves au milieu de tout ça, ambiance, ok les gars, moi je suis la Suisse.
vous embrouillez pas, ça sert à rien. Et de toute façon, vous êtes 15, eux ils sont 5, vous avez des lacrymos, les battes de baseball. Ouais, mais j'ai de la chance que je traîne pas trop dans les endroits où c'est quoi. Moi je suis pas dans la zone à risque entre guillemets. Quoi. Les plus gros soucis que j'ai pu avoir, bah, c'est le fait de pas avoir fini ton mur et qu'on vienne te refaire quelque chose par-dessus ou qu'on vienne faire des marquages donc du toy. À la base, c'est une histoire de territoire le graffiti. Donc c'est normal que chacun veuille marquer son territoire ou alors chercher à repasser l'autre par simple jalousie ou vengeance. Je pense pas que ça se fasse trop, mais ça se fait quand même. Moi personnellement, on m'a toyé, j'ai pas toyé grand monde, mais bon, je l'accepte parce que ça fait partie du jeu aussi. Voilà, plus t'en poses et plus t'es vu, et si t'effaces les autres en plus, et ben, les autres qui sont pas vus et toi t'es vu. Bah, ce mélange de milieu en fait, on va dire que chaque personne est issue d'un milieu et il va évoluer par rapport à ce milieu-là de différentes manières. Après, plus tu évolues dans un certain milieu, plus tu vas être favorable à représenter ce milieu. Voilà. C'est comme tout, quoi. C'est comme dans ton boulot, quand t'as le mec à côté de toi, ça pourrait être un fils d'ouvrier ou un fils à papa. S'il fait bien son taf et qu'il est respectueux et qu'il sait dire bonjour, s'il te plaît, merci, c'est une personne à qui tu pourras t'entendre, même si foncièrement. C'est une personne que t'aimes pas parce que vous avez des différences, parce que vous n'avez pas le même point de vue politique ou ce que tu veux, mais ça reste une personne avec qui tu peux cohabiter. Après, bah, t'as des divergences comme dans toute chose, où tu vas avoir des mecs qui vont être extrémistes, c'est-à-dire bah, tu vas avoir le gars qui va être à fond vandale et que toi tu fais du terrain, ça va le déplaire. Et là, bah, il va pouvoir respecter ton travail, ce que tu viens de faire sur le mur, mais le fait de repasser le lendemain ta pièce parce que... lui s'en bat les couilles, c'est un terrain et il va juste se taper un flop dessus. Bon, c'est dommage. Contrairement aux idées reçues, de plus en plus on a des gens de tout milieu, même des milieux aisés, je dirais. Et voilà, ça se diversifie. Alors certains diront que c'est bien, d'autres diront que c'est mal. Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Moi, je pense que si tu as la motivation, bah, tu prends des bombes et tu vas peindre. Okay. Tu te prends pas la tête, quoi. Ça, c'est souvent les gens, on imagine le graffeur, capuche, casquette, tout ça. Non, c'est bien, il y a des gens de tout milieu. Après, voilà, bon, c'est parce que, mais après, il y a des gars qui vont te dire que forcément, il faut que ce soit des gars qui viennent de la street, machin. Bon, souvent, les premiers à clamer ça, tu vois, la rue, ils connaissent pas grand-chose, tu vois. Moi, j'estime que j'ai rien à prouver. Tu vois, aujourd'hui, je vis dans une baraque, je suis marié. T'as toutes les origines, toutes les catégories sociales. Dans les collectifs, il y a toutes sortes de collectifs. T'as un collectif avec un type qui dit c'est mon crew et recrute dans son collectif tous les gens qui sont ses amis, qui sont ou avec qui il aime bien peindre. Il y a des collectifs qui sont. C'est des gens qui se connaissent pas forcément, mais ils se prennent. Parce qu'ils ont tel niveau et tel style. Moi, les deux collectifs principaux que j'ai, bah, c'est vraiment deux bandes de potes avec qui on essaie de se retrouver le plus souvent possible, quoi, et... parce qu'on a la même passion. C'est intéressant à voir, moi au fil du temps, des crews, j'en ai plein. Je me suis rendu compte qu'au début, ben, j'ai fait comme tout le monde, j'avais envie d'en avoir plein. Et du coup, les rencontres ont fait qu'on m'a proposé d'y rentrer. J'ai jamais forcé les gens à faire partie du collectif, quoi. C'est vraiment proposé. Je l'ai fait et avec du recul, je me dis ben il n'y en a pas beaucoup en réalité, il y en a 4 avec lesquels j'ai vraiment construit des rapports très forts et voir avec lesquels on pratique d'autres activités que du graffiti. Donc la thérapie pictoire, en fait c'est un collectif. Dans ce collectif, il y a Caviar et Frey, qui sont les deux fondateurs de ce collectif. Il y a Cimer. Qui est aussi 3PP et J'hésite. Et donc ensemble on fait aussi tous partie du HSV qui est un crew qui a déjà pas mal d'années, qui était construit à la base par à l'Ouest, qui est aussi 3PP aussi. NTC c'est le Nous Tous Crew, en fait c'est une association de pas mal de gens, enfin pas mal d'amis surtout, parce qu'en fait nous on est vraiment dans le côté amitié, le côté copain, voilà, avant tout le partage, et puis on partage on partage aussi notre art, nos envies, enfin nos délires, quoi. Il y a des leaders, on va dire, ou des leaders, des anciens qui te guident. Moi notamment, Dixa, Réseau, qui m'ont beaucoup apporté. Et voilà, quoi.
Mais avant j'avais un crew, c'était A2P où on était vraiment peut-être une dizaine. Mais ça c'était jusqu'à mes 18 ans et après il y en a qui ont arrêté, il y en a qui sont fait serrer. Donc y en a, on doit être deux vraiment à continuer le graffiti maintenant. Et du coup j'ai pas de crew mais je peins avec beaucoup de monde, ça me va très bien comme ça. Si on me propose de rentrer dans un crew, j'y rentrerai, mais pour l'instant j'ai pas de crew, pas d'embrouille. J'aimais peindre tout seul quand je faisais du vandal, mais maintenant une fresque tout seul ça m'intéresse pas, ça me fait chier en fait. J'aime bien pouvoir faire une pause, parler un peu. Je préfère les fresques en groupe. Le mieux après c'est d'être à deux ou trois pour s'accorder, c'est super facile. Quand on est beaucoup, c'est le bordel quoi. J'aime bien aussi être seul, ouais. Ça me plaît pas mal. Surtout sur le côté, s'il y a un peu des risques là, par contre, je préfère y aller seul. Parce que au moins, je sais que je maîtrise mon truc. Si jamais j'ai à me faire arrêter par la police ou quoi que ce soit, au moins, je sais que c'est de ma faute. Et au moins, je sais que je maîtrise tout. Après, voilà, quand c'est sur terrain, je préfère faire barbecue avec plein d'amis. Et quoique, j'aime bien aussi partir tout seul et me faire un gros mur, mais tout seul en me disant pareil, je vais bien maîtriser mon mur, je sais que dans mon fond, je vais le faire comme ça, je vais le travailler comme ça. Je sais comment je travaille, donc voilà, c'est une phase. Je sais au moins que quand je suis tout seul, du résultat fini. Quoi. C'est toujours. Ça m'arrive de travailler tout seul et même d'avoir envie d'aller travailler tout seul. Mais je préfère quand même quand il y a du monde. C'est plus facile tout seul, forcément. Ouais. Surtout pour quelqu'un comme moi qui. Qui le prend tellement à cœur que je me sens un peu obligé de fédérer les choses. Du coup, forcément, c'est comme dans n'importe quelle micro-société, voire société même. C'est qu'à partir du moment où on doit prendre des décisions, on en subit les conséquences. J'ai presque que travaillé en équipe. Depuis, si ça fait 22 ans que je peins, j'ai dû en passer plus de 15 à travailler tout le temps avec un groupe, d'autres groupes et tout. C'est pas difficile. Moi je trouve, de l'instant où l'équipe elle est tu vois, plus ou moins sur la même longueur d'onde. Par contre, c'est un peu frustrant. Tu es obligé de prendre en considération une œuvre globale qui va être faite à 10. Donc tu es obligé de laisser de côté des envies personnelles au détriment de cette peinture collective. Mais difficile, non ? Ça j'aime. Ouais, si, tout le temps, ça clash un peu parce qu'il y en a un justement qui veut se mettre un peu plus en avant. Il faut gérer les égos de tout le monde, il faut gérer tous ces trucs-là. Mais ça, c'est je trouve hyper intéressant et assez intéressant pour que ça vienne pas gâcher le fait de se dire oh, putain, c'est galère de peindre à plusieurs. Sauf si tu permets des mecs qui n'ont rien à foutre de peindre à plusieurs, ça arrive. Et ça, c'est chiant. Bon, on va essayer de se gérer les couleurs, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. Puis t'as un mec qui fait non, mon fuck, moi je veux faire mon contour rose parce que je veux que ça claque et je veux qu'on voit comment. Ouais, mais mec, c'est pas l'idée. Ou alors tu vas peindre à côté, quoi, tu vois. C'est... Mais sinon, moi, les gens avec qui j'ai toujours peint en collectif, c'est plutôt des gens qui avaient la démarche de faire des gros trucs collectifs qui claquent plutôt que de se mettre en avant eux. Non, c'est plutôt, c'est une force aussi, quoi. C'est toujours une compète. C'est à celui qui va réussir à trouver un petit enchaînement qui va bien se passer. C'est à celui qui va réussir à mettre des petites couleurs ensemble qui, on va se dire, mais waouh. Celui qui va réussir à développer une petite forme graphique, je dis une connerie, mais à un moment donné, tu as eu une grosse période où c'était, il y a quelques années déjà, où tout le monde mettait des bubbles de partout parce que c'était à la mode. Et ouais, il y a une compétition entre celui qui va mieux faire sa bubble, celui qui va réussir à mieux l'intégrer dans son blaze. Il y a forcément une compétition, mais après, elle n'est pas. Tu n'arrives pas sur un terrain en disant je vais faire mieux que lui. C'est toi, de toute façon, tu fais ton taf, lui fait son taf, et tu apprécies ou tu n'apprécies pas, mais. Elle n'est pas tant présente que ça non plus. Il y a le style, la taille, des phases. Il y a des phases qui sont à la mode. Souvent, il y a des trucs qui. Des phases qui sont à la mode, ouais, c'est plutôt genre, il y a tel graffeur qui est super fort, qui fait ça, puis son pote, pareil, qui fait ça, qui est super fort. Et du coup, inconsciemment, tu le reprends, puis tu t'aperçois que quelqu'un l'a repris aussi, machin, tout le monde le reprend en même temps, quoi. C'est aussi prenant, on s'entraîne et pour se dépasser, il y a des compétitions. Moi je dis le graffiti c'est une compétition quand même, c'est toujours arriver à déjà se surpasser et puis aussi dépasser les autres, quoi. C'est un peu ça, hein. Sinon ça fait pas avancer ça fera jamais avancer le graffiti. Quoi. Alors les gens, quand on leur parle, les gens qui sont pas du graffiti, quand on leur parle le graff, ils sont assez réticents, mais par contre quand ils nous voient en train de peindre, alors là tout de suite c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que quand ils voient les gens peindre, là tout de suite il y a un intérêt.
ils viennent tout le temps poser, bon, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, c'est est-ce que vous préparez avant, vous dessinez avant de faire ça, vous improvisez directement, combien ça coûte les bombes et tout ça. Mais voilà, les gens, quand ils voient, ils sont super intéressés. C'est plus agréable de voir une grand-mère pour moi qui s'arrête dans la rue et qui trouve ça chouette. Que de voir quelqu'un qui va te dire mais j'adore, c'est formidable, ces coulures. Les gens ils s'ouvrent plus ou moins, donc ça dépend de la personne, je pense. Après c'est vrai que j'ai croisé pas mal de petites personnes âgées qui étaient vraiment enfermées sur le graffiti, c'est pas bien, c'est des voyous, tout ça. Et quand tu vois, il y a des adultes de 40 ans qui font des fresques immenses et qui font des trucs jolis, ben là d'un coup ils voient autre chose et donc ça les change, et du coup ils sont vachement plus ouverts, donc ça c'est bien. Ah, c'est les médias qui les aident à le percevoir différemment, je pense. Parce qu'avant, ils ne le voyaient que sur des murs dans la rue ou sur leur porte. Et maintenant, ils le voient en galerie. Moi, pour ça, je suis assez d'accord avec... Enfin, je serais presque d'avis, du même avis que les puristes, quoi. Le graffiti doit rester dans la rue. Enfin, je suis presque d'accord. Après, c'est un peu facile de dire ça pour moi, puisque je travaille aussi sur toile. Que la plupart du temps, j'ai un univers, et je pense que c'est assez vrai pour Centaure aussi... Là. On a un univers qui se retrouve assez facilement entre la toile, enfin la toile ou le travail personnel et le mur. Pour autant, j'essaie pas, en tout cas quand on participe à des événements justement de l'ordre plus du milieu de l'art ou enfin voilà, en grande pompe, j'essaie pas du tout de me coller cette étiquette graffiti quoi. Quand je fais un mur, je sais pas si c'est plus l'extension de la toile ou le contraire. Enfin voilà, l'un dans l'autre, ça m'est un peu égal. Mais c'est vrai que le graffiti, et Centaure le disait il y a un instant, voilà, le graffiti pour moi il est aussi dans la rue. Ben avec le temps quand même, je trouve que le côté médiatique en fait ça y a beaucoup joué, je trouve, dans le graffiti ces dernières années, c'est que il y a eu un élément, un côté mode, déjà d'une part pour certains de faire du graffiti, et d'autres d'avoir du graffiti chez soi ou d'être dans l'esprit graffiti. Voilà, ce côté, ça a été pris en fait par les médias, par les publicitaires, tout ça, donc ça a été utilisé. Et je pense que ça, en fait, ça a permis aux gens de s'ouvrir vachement au niveau graffiti. D'en profiter, ça a créé des extrémités, hein. C'est un petit peu comme partout et comme tout le temps, ça fera toujours. Mais en tout cas, le graffiti, c'est plus pratique, c'est plus facile maintenant d'en parler, les gens viennent plus facilement en parler qu'à l'époque. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser là aussi, il arrive que... les personnes âgées soient beaucoup plus réceptives à ce moyen d'expression que certains jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui pensent que ça n'a rien à faire dans la rue et que c'est du vandalisme. Ça dépend de ce qu'on fait. Je pense qu'à partir du moment où on fait du figuratif, on va toucher beaucoup plus de personnes qui n'ont aucun lien et aucun intérêt en l'art, quoi, parce que c'est du figuratif et pour eux ça leur plaît, quoi. C'est oh, génial. Il a dessiné une tête réaliste, c'est beau quoi. Et puis quand on fait du graffiti un peu plus ciblé autour du lettrage, etc., comme on le pratique au quotidien, là d'un coup on cible une jeunesse ou une génération un peu plus urbaine et qui ont l'habitude d'en voir quand même. Ils savent, ouais, comme je te disais, ils savent pas trop comment faire, je pense. Les mairies, ils essayent de trouver des solutions, de mettre à dispo des murs. Après, ça dégénère souvent à côté, sur le mur du voisin. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. C'est que Toulouse était une ville qui était plus arrachée à la base. Et à la fois, ben, c'était vraiment apprécié. Hein, quand tu au Japon, ils connaissent... tu leur demandes les villes de France, ils peuvent te dire que Paris, normal, parce que c'est la capitale. Et après, ils te disent Toulouse parce qu'ils ont entendu parler... enfin, ils connaissent des graphes à Tilt, Miss Van, Rezo, la Trust School et tout ça. Et cette époque-là, bah, il y avait plein de super fresques partout. Et puis c'est dommage, ils ont tout effacé. Maintenant, on peut peindre quasiment nulle part. Mais c'est clair qu'il manque de murs. C'est pareil, après, quand il y a des usines désaffectées, on les peint. Et puis après, elles sont détruites. Donc, un spot de moins, c'est souvent comme ça. Mais après, il y a tout le temps des endroits... il y aura tout le temps des endroits où on pourra faire ça, c'est clair. Ça dépend des villes, il y a des villes avec plein de super spots, il y a des villes où c'est... enfin, je sais que par exemple, il y a des villes aussi où c'est moins facile. Montpellier, j'ai l'impression que là-bas, c'est plus une scène graffiti vandale, donc du coup, on se fait assez vite repasser les pièces, c'est moins bien vu, enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, je connais pas, je vais pas dire de bêtises. Hein. Ah ouais, non, alors là, si tu parles de peinture, graffiti, non, c'est sûr qu'ailleurs, c'est plus facile, quoi, tu vois. Pays comme
même comme la Chine, quoi. Mais tu vois, des pays, moi que je connais bien, comme les Philippines, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est des endroits où tu arrives et où tu peins un mur, tu vois, comme au Brésil. C'est pas des endroits où tu es genre, oh, comment on fait, machin. Tout est peint, les choses sont pas effacées, les gens sont hyper réceptifs. Culture Amérique du Sud et tout ça, donc la peinture dans la rue qui fait partie de leur monde totalement. C'est aujourd'hui les États-Unis, beaucoup de pays d'Europe et tout ça. C'est ouais. Après, il y a des pays justement qui sont encore un peu pas en retard, mais qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas la volonté politique de venir mettre des bâtons dans les roues au graffiti et tout ça. Mais sinon, l'Europe, c'est un peu mort, quoi. Tu vois, même Barcelone, qui était une ville genre surdéfoncée, ça commence à être propre, quoi. Ouais. Tu vois, Paris, c'est pareil, à part quelques acharnés qui font des périphes, des voies ferrées, des rideaux de fer et tout ça, mais c'est plus pareil, alors qu'il y a vraiment des pays dans lesquels tu arrives et tu peins, quoi. Là, c'est le bonheur. Toulouse, pour moi, c'est quand même une grosse scène du graffiti français, du moins. On a quand même beaucoup de graffeurs reconnus et talentueux ici. C'est pas pour par chauvisme que je dis ça, il y a d'autres villes où c'est le cas, mais je pense qu'à Toulouse, ça se bouge quand même le cul. Après, en été, ça va plus peindre qu'en hiver, donc on a l'impression qu'il y a plus de monde. Le graffiti, c'est aussi un partage. Il y a beaucoup de mecs de Toulouse qui montent à Paris, des mecs de Paris qui descendent à Toulouse, et c'est un échange, quoi. Et il y a une approche, il y a un lien, les gens sont plus liés avec la rue en Italie et en Espagne, déjà en général, que nous en France, quoi. La rue, nous, c'est médiatisé négatif, quoi, là, déjà. Donc tout ce qui se passe dans la rue, c'est négatif, quoi. Eux, en Espagne, on peint dans la rue, on discute avec les gens, on sort tous dans la rue. S'ils n'ont pas envie qu'on peigne là, avant d'appeler la police, ils vont nous dire « Non, tu ne peins pas là. » Et il y a une discussion qui s'entame. En France, on se cache, on va vite téléphoner, on dit « Attention, pas bien. » On nous entraîne à être bêtes, en fait. C'est un peu dommage, quoi. Je veux dire, la discussion, elle est là. Moi, ça ne me dérange pas si quelqu'un vient me voir et me dit « Non, mais non. » Là, tu peux pas peindre, d'en discuter et puis effacer s'il le faut, quoi. Je suis pas bête. Et en Espagne, je l'ai fait, quoi. On l'a fait avec des potes, on peignait en bas de chez eux. Et le proprio est sorti, il me dit « Ah, ce mur, ça m'embête » et tout, mais gentiment. Et on l'a repeint d'une couleur propre, nickel, et on a peint 2 mètres plus loin. C'est bête, hein, mais à la fois, il y a eu discussion, ça s'est super bien passé. Dans l'hip-hop, il y a plusieurs disciplines. Il y a le break, il y a le scratch, le DJing, le beatbox, voilà. Mais comme disait un ancien graffeur de Toulouse, et je pense qu'il a raison, il n'y a que pour le graffiti où tu peux te faire arrêter, où tu peux avoir un délit. Dans le rap, si ça arrive, il y a des procès pour certains rappeurs, mais après, c'est pas les breakers qui vont se faire arrêter parce qu'ils tombent sur la tête, ou les DJ parce qu'ils scratchent trop fort, voilà quoi. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens horrifiés par ça. La mondialisation du graffiti, c'est, pour moi, c'est des personnes qui ont vu que le mouvement du graffiti marchait bien, et ils en ont fait un business, tu vois. Voilà. Donc voilà, après, c'est comme Internet, pour moi, ça a tué le graffiti, quoi. C'est-à-dire que le phénomène de mode, est-ce que vous trouvez maintenant, comme tu disais tout à l'heure, là, avec 400 graffeurs à Toulouse, c'est, voilà, s'il n'y aurait pas eu Internet, alors tu en avais 50 qui auraient pompé le style d'un graffeur toulousain, tu en avais 50 qui auraient pompé l'autre style de graffeur toulousain, et après, tu en avais le reste, ça n'aurait pas duré longtemps, quoi. Maintenant, c'est, ah ouais, les sites allemands, les New-Yorkais, nanana, ouais, trop bien ce qu'il fait, nanana. Et un mec, il commence à se mettre à pomper ses lettres, machin, etc., en les mettant à sa sauce. Le mec, ah ouais, c'est trop bien, ça fait 2 mois qu'il peint, il fait des pièces à la Dame, il fait des pièces à la machin, tu vois, bon, voilà. Moi, Internet, pour moi, ça tue le graffiti, ça tue l'effet de recherche, de crayonner, dessiner, tu vois, de travailler son truc, etc. Bon, après, c'est un avantage qu'ils ont par rapport à nous. Mais moi, je trouve que cette école-là, elle est bien aussi, tu vois, parce que c'est facile de dire, ouais, école de la rue, école du graff, du machin. Mais il faut vraiment le faire, quoi, tu vois. Et le crayon et la cassette. Et voilà, ça c'est notre époque. Ce qu'il y a, c'est que plein de pays ont plein d'influences différentes. Donc même dans les différents pays en Europe, tu peux trouver des styles différents entre les nationalités. Puis si tu changes de continent, bah, c'est encore pire, quoi. Si tu vas en Amérique latine, enfin, moi par exemple, j'aime beaucoup ce qui se fait là-bas au niveau des personnages, du graphisme. Et c'est très différent de chez nous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun y apporte un peu sa vision. Et que la mondialisation du graphe, oui, enfin, c'est bien. C'est pas, enfin, ça me semble une évolution logique, surtout. Il y a des marques qui s'approprient le graffiti, alors qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça.
Il y a pas mal de vidéos qui commencent à en parler, tout ça, des gens qui s'approprient le graffiti, bon, les grosses marques genre Chanel, Dior et tout ça, ils n'ont rien à voir avec tout ça, ça les aide bien parce que le graffiti, comme tu disais tout à l'heure, il y a la pub, le graffiti s'inspire vachement de la pub au niveau des formats et tout ça, mais la pub s'inspire aussi beaucoup du graffiti. Quand tu vois un beau graphe bien efficace placé à un endroit qui tue, bah, faut pas s'étonner si après ben, ils t'ont mis une pancarte publicitaire au même endroit, au même format. Oh, c'est bien parce que ça évolue et que y a des médias qui s'intéressent, y a plein de choses, des magazines, tout ça, des galeries. Mais après, bon, mais c'est vrai que le côté authentique du départ se perd un peu. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Là, je dirais que maintenant, si tu fais des toiles et que tu essayes de les vendre, on va te catégoriser graffeur. Et si tu fais des graphes et qu'à un moment donné, les gens savent que tu fais des toiles, on va dire que non, mais qu'à un moment donné, tu n'es pas un vrai graffeur. C'est un problème. Les gens ont toujours besoin de te mettre une étiquette ou de te faire entrer dans un petit casier. Donc, problème de médiatisation de ces supports et de ces choses, C'est juste un problème social comme tant d'autres. C'est qu'à l'heure actuelle, pour rassurer les gens, il faut rentrer dans un panier, quoi. Et si tu es dans plusieurs paniers en même temps, ben, ça les stresse un peu et ça, c'est triste. C'est tout, c'est juste que voilà, chacun a fait son parcours, c'est artistique, quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, tu travailles plus avec un stylo, des pinceaux, tu travailles avec une bombe de peinture. C'est juste ça qui dérange les gens, tu vois. Tu ferais tout au pinceau, les mecs, ils seraient là, oh, bah, c'est bien, tu vois, c'est bien. Je pense que ce qui a vraiment nuit. S'il y a quelque chose qui a nuit à l'image du graphe, c'est tous les mecs qui ont tapé des grosses merdes sur le périph', quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Concrètement, c'est ça. Hein. Ouais. C'est bien beau. Après, hein, y en a qui se défendent en disant que c'est politique, c'est une façon de s'approprier le délire. Moi, je pense que si tu veux avoir une bonne image du graffiti, il faut déjà montrer aux gens, tu vois, ce que font des mecs comme Réseau, tous ces gars-là, que le graphe, c'est beau. Ouais. Tu vois. Quelqu'un qui part, qui connaît pas trop et qui dit c'est vraiment beau, vous êtes des artistes ou des phases comme ça, tu vois. Pour moi, c'est gagné, quoi. Ouais, tu vois, ouais. C'est que ça, tu vas en dégager quelque chose de positif, tu vois. Mm-hmm. Mais le mec qui passe devant son périph', qui voit un gros truc au rouleau qui est dégueulasse, quoi, mais vraiment babo, tu vois, c'est moche, ouais. Et qui voit tous les 15 jours des mecs revenir peindre, ouais. Il sait très bien que c'est avec ses sous, et blabla, et blabla, et blabla. Alors, c'est ça vraiment qui nuit, tu vois. Ouais. Si tu veux rentrer dans le mouvement du graffiti, de tout ça, et en plus, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, t'as internet et t'as 3 milliards de livres. À l'époque, tu rentrais là, c'est genre merde, comment je fais? Je fais des photos des graphes que je vois autour de moi, je prends le train ou l'avion et je monte à Paris et je vais faire des photos à Paris. Et si mes parents ont des sous, je vais à New York, je fais des photos de New York. C'était, tu vois, se constituer un album de graffiti à l'époque, c'était la galère. Et tous les graffeurs étaient potes, donc ils s'envoyaient des lettres. Moi, je recevais des lettres de New York, de Coptou, qui m'envoyaient 45 photos. Je regardais les styles, j'en recevais d'un mec qui s'appelait Bauer. Sur Paris, moi, on en envoyait un peu partout. Il y avait des magazines papier. Mais c'était chaud à choper. Le Hype magazine de Sydney, ben, il y avait deux magasins à Paris qui le vendaient, où il fallait le commander, il arrivait en 3 mois, enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Étant donné que nous, pour arriver à faire du graffiti, on a été obligé de s'intéresser à l'histoire. Parce que on n'avait pas tous ces médias et tout ça, donc on était obligé d'aller dans la rue, d'aller chercher les graphes et donc de trouver les vieux graphes. Et... Maintenant, c'est fini tout ça. On passe à du... Ça a évolué, on va pas critiquer. On va pas faire des vieux rabat-joie, mais du coup ils n'ont plus besoin d'aller chercher les graffitis, forcément d'aller chercher l'origine du graffiti là où ils l'ont commencé, mais tout simplement d'aller regarder dans des magazines et dire tiens, Toulouse, ah ben c'est lui, les gars qui bombardent, alors qu'en réalité c'est des magazines, ils mettent ce qu'ils veulent dedans. D'ailleurs moi je passe dans les magazines, je ne donne pas de photos, j'y passe régulièrement, ça me saoule dans un sens parce qu'il y a plein d'autres gens qui peignent beaucoup et bien et qui mériteraient d'y être, qui sont pas. Et puis, je trouve que c'est pas du tout représentatif du graffiti dans la vie. Donc, pour des jeunes, forcément, ils vont cibler et ils vont pas s'intéresser au reste. Quoi. Le reste, ça va être du vent. Quoi. Ouais, il y aura tout le temps des nouveautés, tout ça. On n'est pas prêt d'en faire le tour. Mais... Les gens qui sortent du lot, de tout ça, c'est des mecs qui passent leur journée à dessiner, à faire évoluer leurs lettres. En Réseau, c'est un mutant de la lettre, quoi. Tu vois, c'est tout le temps, ces lettres, ils transforment. J'ai l'impression quand tu regardes sa pièce qu'il fait le même graphe parce que c'est le style, tu vois. Mais il n'y a aucune lettre qui ressemble à qui refait deux fois, quoi, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. Il y aura toujours un mec qui va inventer un truc. C'est comme dans toutes les disciplines artistiques, quoi.
tu vois en photo, tout le monde a, enfin tout a été déjà fait, mais il y en a quand même qui arrivent à ramener un truc qui a jamais été fait. Déjà, il commence à y avoir un truc qui apparaît qui est assez rigolo. Bon, c'est une arme de vandale hein, à l'heure actuelle. C'est l'utilisation de l'extincteur qui est vidé et qui est re-rempli de peinture. Je trouve que c'est formidable. Je trouve ça génial. Autant en bord de Garonne, on en voit apparaître quelques-uns. Ça me plaît beaucoup, hein, même si tu vois, j'ai plutôt tendance à adorer la pêche et les endroits clean. Ça me fascine. Et surtout, ça peut donner des capacités. Enfin, au niveau du travail, il y a un graffeur qui s'appelle Mist, qui travaille sur toile maintenant. Et souvent, il fait des espèces de giclures, il refait des détails avec. Et quand tu vois des armes comme ces gros karchers à peinture qu'ils arrivent à fabriquer, tu te dis que si on arrive à l'utiliser pour faire des remplissages de peinture sur des énormes, enfin, on pourrait faire des pièces monumentales à la fois sales mais en retravaillant, enfin il me semble qu'on peut faire plein de choses encore, ouais, plein de choses qui sont possibles. Ce sera un monde toujours, il y en a certains qui utilisent aussi des techniques qui sont connues comme le fat cap depuis des années et des années, le fat cap existe, voilà, on sait tous comment on l'utilise, alors c'est soit pour faire des effets dans un tag, soit pour faire un gros remplissage en aplat ou en dégradé, mais voilà, il y a toujours des petits malins qui vont trouver une autre utilisation et vont dériver la technique de base, en faire des effets d'ombrage, des volumes, des persos, enfin voilà. Je pense que c'est pas parce que le nombre de techniques est plus ou moins limité et que du coup c'est facilement identifiable, que pour autant ça limite les possibilités avec, quoi, en les interchangeant, en essayant de trouver une manipulation différente ou une finalité différente, parce qu'on se dit que tel outil c'est destiné à faire telle tâche, il suffit de changer la tâche finale pour déjà avoir un nouvel outil au final. Donc les possibilités sont vraiment infinies, même avec une quantité plus ou moins limitée d'outils, quoi. Enfin... Tu vois, finalement, hier, je regardais un peu ce que faisait Dali, tu vois, et je délirais... réseau en se disant que si aujourd'hui ce gars-là serait encore vivant, il viendrait faire des jams, tu vois. Et je pense que tu vois tous ces gars-là quand même, et tu peux remonter même à la Renaissance italienne, tu vois ce que je veux te dire, tu peux aller les chercher loin les références, mais l'art ça a toujours évolué, ça change, ça évolue, tu vois, en parlant des nouveaux délires, et encore dans le graphe, regarde bien, il y a 30 ans aujourd'hui, on fait plus du tout les mêmes choses, et puis tu vas voir que bientôt il y a des gars qui vont sortir d'autres délires. Tu vois, comme là, il y a quelques années, c'est apparu cette espèce de lettrage, là, tu sais, un peu comme des tribales, des formes, tu vois, c'est plus trop du graph, mais c'est que de la 3D, tu vois, en cran, machin, tu vois, des mecs qui font des trucs de fou, quoi. Et puis, tu vois, tu citais quand même des références de gars qui te montrent que tu peux aller toujours plus loin, quoi. Né le graffiti, il est tout récent. Moi, tu regardes juste là, dans le terrain, tu vois mon mur, tu vois le mur d'à côté, et tu vois encore ce qu'il y a à côté, même ce qu'il y a derrière. C'est des styles qui sont complètement différents, il y a tout qui change, juste la perception des couleurs. Tu dis voilà, moi j'ai mis 6-7 couleurs dans mon blaze, il y en a qui vont mettre 2 couleurs, d'autres qui vont en mettre 20. Est-ce que toi ta forme va être arrondie plutôt carré? Est-ce que tu vas faire du relief, du volume? C'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire, c'est de la peinture. Et la peinture, comme tu peux le voir, quand tu regardes le courant hollandais il y a des siècles auparavant et que tu regardes maintenant l'art contemporain, mais ça évolue encore et ça évoluera toujours. Ah non, je pense pas. Pas du tout, quoi. En plus, aujourd'hui, comme il y a tout ce mélange avant, il y avait ce côté école. C'est-à-dire que tu fais du graffiti, il faut que tu apprennes à faire des tags, après il faut que tu apprennes à faire des lettres simples, après il faut que tu trouves ton style, plus compliqué ou pas, il faut que tu saches faire des flops. Faut que ça soit un peu dessiné pour faire des fonds et des trucs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école, justement. Donc le mec, il arrive et il suffit que tu vois, il y a des mecs comme Vils, le mec qui attaque les murs à coups de marteau-piqueur là, et qui fait des visages et qui défonce les murs. Ce mec-là, il est aujourd'hui hyper mis en avant dans le monde du street art et tout ça, même si ça n'a rien à voir avec le graffiti. Mais il amène quelque chose de nouveau, tu vois. Banksy, même si c'est très traditionnel dans l'histoire du pochoir et tout ça, il amène aussi quelque chose de nouveau si on parle de graffiti, tu vois. Je pense que ouais, non, c'est juste je pense que c'est presque que le début de la mutation du graffiti vers le street art, donc parce que pour moi c'est une grosse différenciation à faire, et voir vers l'art en général. C'est-à-dire qu'avant c'était vraiment un domaine particulier, dire le graffiti. Aujourd'hui, tellement de choses sont venues s'y greffer que le truc, il est hyper large, quoi. Et même dans le graffiti lui-même, vu que tout a déjà plutôt été fait, même les gars qui font du graffiti traditionnel, il se passe des choses, tu vois, tout le temps. Et, parce que l'idée, c'est de se renouveler et d'avoir ton style.
Donc même les gars qui font du style classique, ils sont obligés d'aller chercher toujours plus loin. Parce que le graphe évolue pas seulement par le graffiti et par le dessin. Et il se greffe à la musique, à des faits de société, à des phénomènes de société, à tout. À des technologies, comme par exemple la photo qui vient s'y mêler, Photoshop, Illustrator, le graphisme. Quoi. Et du coup, ça peut qu'évoluer en permanence. Quoi. Une petite anecdote qui m'est arrivée par hasard, c'était à l'époque où je faisais du vandal. J'étais dans une rue, j'avais un copain qui faisait le gay, je faisais un gros blocos sur une palissade qui était en plein sur la place de la mairie de la ville où je travaillais à l'époque. Et y a une voiture qui arrivait à contresens, donc mon pote qui faisait le gay, il a pas pu me prévenir, donc du coup je suis parti en courant, et là la voiture des flics elle s'arrête devant moi, enfin je m'allonge entre deux voitures, la voiture des flics elle s'arrête devant moi, les mecs ils descendent comme ça, et dans ma tête j'étais là, ah ça y est je suis foutu, puis là en fait je les vois, ils contrôlent un pote à moi qui passait par hasard, et c'est lui qu'ils ont arrêté, enfin il avait rien à se reprocher sur le coup, donc tout s'est bien passé pour lui, mais bon en gros moi je croyais qu'il descendait pour moi, et en fait il descendait pas pour moi quoi, et du coup je suis parti en courant dans l'autre sens, et puis voilà. Si, moi j'ai reçu une fois une facture de la SNCF d'ailleurs, une facture il m'avait envoyé, c'est sympa. Ça, les factures, bon. Ouais, c'est sûr. J'en avais un courrier, j'ai envoyé une nouvelle, donc voilà, après non, l'anecdote je pense que c'est plus des bons moments passés avec des potes, à faire des fresques ou à faire des soirées un peu à trois arrosées, dans la rue ou un peu partout quoi, à se balader, ça c'est cool. Parce que le graffiti, c'est une retrouvaille, tu vois. Ouais, c'est... voilà. Bon, celle que j'arrive pas toujours pas à oublier, c'est sortie de l'armée, bombe de peinture dans le sac, j'avais tapé toutes les bombes de chantier. Et c'était en plein été, donc moi j'étais à Canjuers, et donc sur la Côte d'Azur, au-dessus de Draguignan, et je rentrais à Toulouse. Et en fait, en pleine journée, je m'arrête, gare de Montpellier, avec la glacière, on descend. Le quai bondé parce que c'était l'été, c'était un truc de fou, et je commence à taper des flops sur la gare de Montpellier. Avec le train bondé, le quai bondé, et d'un coup j'étais en train de faire une tête de Krilin, parce qu'à l'époque c'était un peu le délire Dragon Ball et tout ça. Je tape la tête de Krilin, nani nana, et puis d'un coup j'entends « Tu bouges plus !» J'ai tourné la tête, j'ai monté dans le train, et j'ai traversé tout le train avec des gamins, des valises et tout, nanana. J'arrivais au bout du train, j'ai tapé à la porte dans le truc des chiottes, il y avait un mec, il a ouvert comme ça, il a fait c'est occupé, j'ai fait t'inquiète, c'est pas la peine. J'ai fermé la porte, j'ai attendu, et le train est parti, t'avais les condés qui couraient derrière le train et tout. Et ce jour-là, c'était un bon kiff. Ouais. C'était trop bon. Moi je suis tombé d'une échelle un jour de 5 mètres de haut sur le coccyx. Ça m'a fait pleurer. Ouais. J'ai eu peur un peu. J'avais pas envie d'aller voir un médecin. C'était à Villefranche de Conflans, j'étais avec deux potes toulousains et un pote entre guillemets, parce qu'il nous a un peu planté au dernier moment, un gars de Perpignan, et on partait faire un wall train, donc on était quatre, il y avait trois wagons, moi j'en faisais un avec un pote à moi, et du coup là on s'est fait courser, on a laissé toutes les bombes, notre pote soi-disant de Perpignan nous a dit partez à gauche, et on est tous partis à gauche, sauf lui qui est parti à droite. Du coup on s'est retrouvé dans une forêt et on a passé peut-être demi-heure dans un petit ruisseau à quatre pattes et à marcher dans la forêt en se tenant la main parce qu'on n'y voyait que dalle. Et voilà quoi. Mais sinon c'est de bons souvenirs. En fait quand je me suis fait attraper, ne jamais taguer en ayant bu trop de bière, ça c'est pas bon. Du coup en fait je suis en train de taguer un petit truc vidéo club automatique et là j'entends les portières d'une voiture quoi, mais sous j'ai pas trop calculé. Je me retourne et là par terre et Picasso allez au central 3h du matin, on appelle papa maman parce que j'étais mineur. Super. Voilà la petite anecdote. Ok, ouais, une petite anecdote, c'est quand j'ai fait une expo sur Aix-en-Provence. J'ai fait ça à l'époque, genre truc étudiant, donc je monte une grosse expo, on avait quand même 150 mètres carrés d'exposable. Donc moi j'expose, j'ai un pote qui avait sac, un chinois qui étudie en France. J'ai invité à l'expo, qui avait aussi exposé avec moi. J'avais deux photographes et un pote qui dessine, donc je lui dis dessin. Et on s'est bien fait chier, on a bien fait de la com, on a monté une putain d'expo de dingue. Vraiment on a chié par rapport à tout ce qui était municipalité, parce que c'est Aix-en-Provence, c'est un lieu très fermé,
très bobo, le graffiti c'est moche. Et donc on a tapé du cellophane pour faire de la pub et tout le bordel. Et on a réussi, premier vernissage, à faire 400 personnes. Donc j'étais bien surpris en fait comment le graffiti aussi peut intéresser des gens et peut faire venir des gens qui sont de milieu mais complètement dingues, quoi. On avait du petit aristo, au petit bobo, au petit mec de tous les jours, au gars de quartier qui était là aussi, on avait de tout qui est venu, de 5 à 80 balais. En plein Aix-en-Provence, un milieu qui est très fermé et qui est complètement à droite, de chez droite, avec une VRS. Voilà, et ouais, on arrive à faire des choses à travers le graffiti qui permettent aussi d'accrocher certaines personnes, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment une très bonne anecdote que j'ai, un très très bon souvenir. Tu vois, il doit y avoir 10 piges, un truc comme ça, quoi. Ouais, ça doit être ça, ouais. On part pour faire une voie ferrée, on voit des gars qui bossaient sur la ligne de chemin de fer un peu plus loin, du coup on part discrètement pour détourner tout ça. Au final, ils nous voient, ils nous coursent. On arrive à l'ESME, on se fait choper par les keufs. Et on avait tout largué et tout, donc on n'avait même pas peint ni rien, donc il n'y avait aucune trace de ça, quoi. Et on se casse. Et au final, 2 mois après, convoqué chez les keufs pour vol de matériel pour la SNCF, quoi. Dont une échelle de 4 mètres fixe. Et à l'époque, j'avais une petite voiture. Du coup, le mec, je dis, mais tu te rends quand même compte que tu me parles de vol alors que j'ai une voiture, voilà, quand je la mets où l'échelle, quoi. Et ouais, ça, c'était rigolo. Alors, moi, j'ai fait très, très, très peu de vandales, et pour cause. La première fois que j'en ai réellement fait, donc dans une grande ville, voilà, j'étais à la ville, enfin, c'était Toulouse, hein, qui n'est finalement pas si grand, mais voilà. Le premier soir, on est allé essayer de peindre, enfin, on a peint, on a fini par réussir. On était 3 et on a essayé d'aller peindre sur des voies ferrées, et on s'est pris 2 trains, du coup, enfin, pas dans la gueule, mais presque, puisqu'on a, en fait, avec l'écho sur les voies, on croyait qu'ils venaient sur la voie la plus à gauche, donc on allait se réfugier à droite. Et finalement, l'écho étant mauvais, on a pris le train à droite. Donc là où on était, donc à quelques, enfin voilà, à quelques centimètres des rails. Ce qui était pour moi une forte émotion à mon jeune âge. Ouais, une anecdote, parce que la dernière fois que, si tu veux, il y a eu donc tout ce buzz incroyable sur l'histoire de la Panic Room. Là. Ouais. Donc, moi j'étais très content et en même temps j'étais un peu, pas saoulé, mais j'étais étonné de voir comment tu peux toucher des milliers de gens juste parce que tu fais quelque chose dans un cadre que les gens comprennent ou attendent un peu. Donc là, c'est-à-dire, c'est une chambre d'hôtel. Mmh. Comme si j'avais fait une collab avec Supreme sur un t-shirt, je pense qu'il y aurait 20 000 blogs qui auraient blogué le truc. Donc ça m'a un peu saoulé de me dire, putain, je fais du graffiti, je fais des trucs à l'arrache, je fais des toiles dans lesquelles je mets beaucoup de choses et tout ça. Les gens en parlent, et c'est cool, tu vois. Mmh. Mais là, c'était démesuré, juste parce que j'avais touché ce truc de l'architecture d'intérieur, la déco, le design, tout ça. Et du coup, ça a fait genre 30 pays différents qui veulent des interviews, qui passent dans des magazines de design, machin. C'est passé dans le New York Times. Ça a été la folie. Alors que moi, j'avais juste massacré à moitié une chambre d'hôtel avec des potes et que c'était un concept dicté d'ailleurs par ma meuf. Très bonne idée, de couper en deux. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit, tu vois, la folie comme ça. Et du coup, ce qui m'a fait chier, c'est de me dire qu'il y a 2 ans, quand j'habitais à New York, avec Mist, un pote à moi avec qui je peins tout le temps et qui fait du graffiti aussi, on avait peint un toit de New York qui faisait 70 mètres de long, je sais pas si tu vois ce que ça fait, quoi. C'est ouais, plus de la moitié d'un terrain de foot, par 17 mètres de haut, tu vois, ce qui fait à peu près 4 ou 5 étages. 4 étages. Et là, bon, des gens en parlent et tout, nous on le passe en couverture d'un catalogue et tout, mais c'est style, ah mortel, le toit, mais ça s'arrête là, tu vois. Et donc là, ça m'a choqué parce qu'en plus, donc, l'anecdote elle est là, c'est que ce toit-là, c'est enfin pour nous là, c'est déjà c'est le plus gros graphe qui a été fait à New York depuis l'histoire de New York, tu vois. Il y a un mec à Los Angeles qui s'appelle Saber qui avait fait un truc un peu gigantesque comme ça sur les digues de Los Angeles, bien plus compliqué que nous et tout ça, mais là il y avait jamais eu un truc aussi gros dans la ville de New York. C'était illégal. On avait fait les ninjas pour le faire, c'est-à-dire que moi c'était un endroit dans lequel moi j'habitais. Et si je me faisais serrer, c'était le bordel. J'avais mes voisins qui ne m'aimaient pas. Du coup, il a fallu que je mette une cagoule. Pour ne pas faire de bruit sur le toit, on a enlevé nos chaussures. On a mis genre 5 paires de chaussettes. C'était un truc gigantesque. Donc pour les mesures, on s'était fabriqué des règles en mousse pour rapporter les lettrages pour que ce soit carré. On est passé par le toit et pas par l'intérieur pour ne pas se faire repérer, pour ne pas se dire « Ah, ils avaient les clés, donc ils habitent ici ».
toute une histoire pas possible, pour finir par se faire gauler par les Condés, en train de tracer, tout habillé en noir, en chaussettes, avec des cagoules, donc il croyait que c'était un cambriolage. Le voisin qui me balance et qui me fait « Ah, mais je savais pas que c'était toi !» Je dis « Ben oui, bien sûr. » Donc heureusement, on n'avait pas encore peint, on faisait que des mesures. Donc moi, j'ai commencé à expliquer aux flics que c'était pour un shooting le lendemain avec des filles, parce qu'on collait du scotch par terre pour faire des repères, et qu'en fait, on allait shooter les meufs avec le fond de New York derrière. Donc j'ai réussi à endormir les flics qui se sont cassés. Donc là, on s'est regardé avec Mist, on a fait « Bon, qu'est-ce qu'on fait? On peint ou on peint pas ?» Je dis « Bon, les fuck, on peint. » On a fait donc toute la peinture, toute la nuit, jusqu'à 7h30 du matin quand le jour se levait. Je suis monté sur le toit au 25e étage d'un building en face et j'ai fait la plus belle photo que j'ai jamais eue de ma vie. Un énorme Mist Tilt gigantesque, ou un 38 tonnes, on dirait, tu sais, une voiture majorette. Tu sais. Énorme la vue avec le pont de Manhattan, le pont de Brooklyn, tout Manhattan derrière. C'est la plus belle photo que j'ai jamais fait et moi, un de mes graves préférés. Sauf que là, ma voisine me fait il y a le proprio qui te cherche et tout, ça craint, ils savent pour le toit. Là j'ai fait putain non c'est pas possible parce que mes proprios c'était les Sopranos quoi, c'était une bande de mafieux italiens qui étaient jusque là tu vois dans les embrouilles avec la mairie, le machin, une histoire de fou. Je me retrouve alors que Mister rentre en France à repeindre tout seul le toit 70 mètres par 17 mais de nuit, comme que je clean de nuit illégalement, j'efface un graphe quoi pour pas me faire gauler. 15 jours après les proprios me serrent, ils me disent mais qu'est-ce qui s'est passé là-haut. Je fais voilà, j'ai fait une photo, c'était une peinture pour un pote et tout. Et là, il me faut, on connaît l'histoire. C'était pour un shooting avec des mannequins et tout ça. Donc il y avait des thunes. Ouais. C'était avec une marque. Donc nous, on veut croquer, on veut des sous. Là, obligé de leur expliquer. Non, mais regardez, Tilt, c'est moi, c'est marqué sur mes doigts. Mist, c'est mon pote. Sortir les bouquins de Mist. On a déjà fait des. Obligé de leur montrer tout ça pour leur montrer. Il n'y avait pas d'argent. J'ai dit ça pour qu'on nous laisse tranquille et tout. Et là, le proprio qui me fait, mais vous êtes débile. Ça vous a coûté plein de sous. De la peinture, vous prenez des risques, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Je dis, ben voilà, parce que nous on aime faire ça, je pense que vous pouvez pas comprendre. Puis c'était une belle photo et tout. Et en fait, quand je suis parti de New York, en partant, je lui ai offert un cadre avec la photo du truc, parce que personne ne l'avait vu en fait, ouais. Puisque je l'ai effacé le lendemain de quand il a été fait. Donc personne n'avait pu voir ce truc, à part les bureaux d'en face, juste le lundi, quoi, c'est tout. Ouais. Et le lundi soir, je suis allé le repeindre. Donc je lui ai offert ça, il a dû se dire, le français débile du deuxième étage qui nous a fait une peinture de je sais pas combien, une centaine de mètres carrés gratos. Des anecdotes, il y en a plein, parce que c'est ce qui fait ma vie de graffeur. Quoi. Mais, c'est laquelle qui revient le plus? Non, moi, j'aurais plus, actuellement, c'est plus sur des décisions, des moments qu'on a passé ensemble avec des groupes où on était réunis avec le plaisir d'aller créer une fresque, que ça soit sur mur, que ça soit sur train, que ça soit dans la rue. C'est plus ces moments-là moi, en fait qui m'ont marqué et qui sont de bons souvenirs. Des rencontres aussi avec des gens, hein, comme je parlais tout à l'heure d'Espagne, où d'un coup on découvre une autre approche du graffiti, mais totale. Après pour ce qui est du matériel, bon ben, voilà, ça reste matériel. Quoi. Ça arrive à tout le monde, je pense. C'est pas original de parler de ça. Quoi. C'est pas dire ma bombe s'est bouchée, mon matos c'est comme ça. Mais voilà, il y a des petits délires à la con, tomber dans des trous, parce qu'à un moment on n'a même pas vu, on recule de son graphe et je tombe dans un trou profond. C'est des conneries, mais. Ça arrive voilà. Le soir, donc. Après, ouais, même la journée, hein, ça, ouais. Ça m'arrive la journée, hein, c'est une attention, t'observes et tu tombes, et voilà quoi, et tu te retrouves à appeler tout le monde pour qu'on te ramène des sapes parce que t'es tombé dans l'eau, t'es plein, tu trempes, tu travailles juste après. Des courses-poursuites avec des gens de la mairie ou du nettoyage de la mairie, tu sais pas pourquoi. Tu peins dans un squat, puis d'un coup, tu te rends compte que t'es encerclé par des camions de nettoyage de la mairie. Tu te dis tiens, ça y est, Rambo est né, il est là, il est déguisé avec un habit vert en train d'essayer de te courser et tu comprends pas, tu cours, tu te caches et en fait t'as envie de te lever, leur dire mais vous hallucinez les gars quoi, mais pas à la guerre quoi. Des trucs comme ça, après toutes les aléas de la nuit où tu galopes souvent, pas grand chose en réalité quoi, tu as peur, tu flippes d'un bruit, d'un machin. En réalité, tu te rends compte que tu es tout seul et bien tout seul, quoi, avec une chouette.